No. Les tournois par la Bonjour. Salut. Bonjour les gars. <laughs> Merci d'être là. On est très, très 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 heureux de vous avoir. Nerveux. Nous, d autres, aussi. nous autres, on ah est ouais. nerveux parce qu'on on on connaît pas beaucoup l'univers des podcasts. J'en ai fait quelques-uns. Ouais, hein? Ah oui, cool. J'en ai fait quelques-uns. Oui, été... quoi, co-animateur avec Ah oui. Non, non, attention, on a animateur <laughs> Non, non, c'est. Chroniqueur? Le 7. Oui. Je suis allé deux fois à leur oui. podcast. Mais, hein. mais on, on appelle ça juste, chroniqueur vrai, en humour. Chroniqueur? Moi, on m'a demandé. Non, pour moi, chroniqueur. T'as l'air d'un gars qui veut pas être là, mais il ose pas partir. C'est extraordinaire. Non, mais pour moi, chroniqueur, c'est quelqu'un qui prépare une chronique. Moi, au début, il tu veux-tu venir? Tu vas, euh, on va faire comme un pool machin au début de la saison d'hockey. Je dis OK, parfait, je vais y aller. Puis là, après ça, ils m'ont réinvité une couple de fois. J'ai dit non. Puis <laughs> <laughs> l'autre fois, après, je dis OK, je vais y aller. Parce que je pouvais. Les autres fois, je pouvais pas. Un podcast okay. sportif. Ouais. ouais. Pas, non, personne ne sait quoi. Personne ne ah. sait ah. Non, non, c'est Louis, Louis Morissette et Jean-Philippe Vautier qui parlent de sport. Ah, ouais. Avec euh, un chroniqueur. Ouais! Qui, que t'as des opinions <laughs> pis tout nous, non, non mais, mais... le ouais. pire c'est que les jeux... non on a l'air d'en de, rire mais tous on les deux rit. on ferait non moi je ferais tout pour aller là. moi j'aimerais ça je, je veux plus acc aller Fils, accessible que tu penses, hum. Moins que tu penses. Moins que tu penses. Tu peux te rendre, Moins que tu penses. Moi, je laisserais deux princes pour la poire et le fromage. Mais vous là, ça fait combien de temps que vous faites ce podcast là Trop longtemps. Trois ans. Mais toi, Trois. ça fait longtemps que. As... Mais vous n'étiez pas tout le temps les deux ensemble. Mais non. T'avais un podcast seul. Ouais. ouais. Moi, j'avais un podcast seul. J'ai commencé. Il est arrivé que j'étais allé voir mes statistiques sur YouTube. Puis j'ai vu que 85 des hommes m'écoutaient. J'ai fait ça, c'est bizarre. Puis là, je voulais pas devenir le prince d'une cell. que j'ai commencé. <laughs> Je m'en là. On était ah ouais. sur le point de me ah couronner. Fait que j'ai commencé un podcast avec ma blonde. Ah. Là, les incels ont eu peur d'avoir une femme. Fait qu'il y a eu plus de femmes. Et une fois, on a collaboré ensemble pour un numéro aux Olivier. Ben, avant ça, on a, on, tu m'as invité à ton podcast. Oui, t'étais extraordinaire. Oui. T'as un un une belle épis. complicité. Une belle complicité. Oui, on se connaissait pas, puis c'est bien passé. Et là, on a travaillé un numéro aux Oliviers. Voilà. Et j'ai vraiment. Où t'étais là, d'ailleurs, oui. euh, cette cérémonie-là? Oui oui, 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 oui. Je m'en souviens. C'était la cérémonie où. Il y avait comme 16 personnes. Parce oui. On a tous mouru du COVID. Et tu avais gagné l'Olivier Meilleur Podcast, non? Oui, puis je t'ai monté sur scène pour un autre projet. Oui. Puis tout le monde pensait que j'avais oui, que... mon... pris la place de Rivois-des-Marais. C'est vrai. Et Hugo Dumas l'a pas pris. Oui. À ce jour, Hugo Dumas, il fait comme lui, il a pris la place d'une star. Ce qui n'est pas <rire> faux, hein? Ce <laughs> qui n'est pas faux. Et le lendemain, vu avait les oliviers, j'ai pas eu le temps de faire un épisode, j'ai dit, viens faire un épisode. On l'a ouais. fait ensemble. Genre, on a tellement aimé ça qu'on a parti sur un projet ensemble. C'est ça. Le Deux Princes. Ou le silence du hurlement. Voilà. Et depuis, les femmes écoutent bon. écoute ouais. le podcast. Oui, oui, on a fait une statistique, mais on est rendu à 60-40. <laughs> non, mais moi, euh, <laughs> non, mais je reviens de, de Paris, puis là, mm -hmm. ils, ils ont tout analysé. Euh, je pense que pas de faire, c'est 70 de femmes qui me suivent sur Instagram. C'est bon, ça. Ben c'est étonnant. Qu'est-ce que tu étonnant? faisais à Paris? Euh, des spectacles, en fait. Ben, ah. Ben, ouais. <laughs> ouais, écoute, c'est plus prestigieux euh, dans le les dire. mots, oui, que, que, que la réalité. Ouais. On, on va être honnête là, mais. C'est des grosses salles. Euh, non, ben pour l'instant non. J'ai dire... vu beaucoup d'humour. J'ai beaucoup écrit. T'as pas vu d'humour. as vu des spectacles. J dit, non, j des, spectacles parce que <laughs> des fois en France, leur. J'ai vu des One Man. Mais euh, one man. Euh, non, non. Parce qu'en France, pour savoir, ceux qui savent pas. Euh, aussi au Québec ou aux États-Unis, on fonctionne par par. Au début, tu fais des 6 minutes, des 15 ouais. minutes, des demi-heures, ensuite pour faire une heure. En France, c'est l'inverse. Non, mais ben, ben, c'est-à-dire que. Tu si commences par là, une heure. Ben, y a, ouais, ben ça, crème, puis tu finis qu'il te reste juste 6 minutes. Ouais. De, de, de... Ben, en gros, tu fais. Euh, non, mais ça, c'est l'ancienne ancien, méthodologie qui existe encore, mais globalement, ils sont en train de faire comme nous. Mm -hmm. Mais euh, j'ai vu des affaires euh, exceptionnelles, là, comme. Ouais. Euh, tu sais, j'ai vu en 2024 euh, un show de. Un, un quatrième mur avec des personnages, mais genre, oh là là, qu'est-ce que je fais? Je suis le médecin. Ah oui! Mais tu sais, comme, ce que je viens de faire, c'était ça pendant une heure. C'est bon. Puis au début, moi, je pensais que c'était comme une parodie ah ouais, de. Il allait avoir un punch. Oh non, non. Ça a été ça. Puis à la fin, c'est étonnant comment l'humour, tu sais, c'est censé te détendre. Puis moi, ça m'a <laughs> rendu agressif. C'était. Euh, J'étais comme, comme. En fait, c'était un moment où tu te dis, c'est peut-être génial, puis j'ai pas les codes pour le comprendre. Tu sais, quand tu vois tellement de la ouais. dompe que... <laughs> <laughs> que... C'est ça, c'est peut-être du génie auquel j'ai pas accès. Mais euh... vous, vous connaissez depuis combien de temps? 1991. 91? Oh. On s'est rencontrés au Cégep Sainte-Foy. Ouais, première année, j'y vais en mathématiques. Oh, ça, ouais. genre, euh, ouais. 91, euh, Cégep, 93, l'université, puis après ça. Euh... Faisiez-vous de l'art ensemble ou c'est juste des amis de. J'ai rencontré euh, un projet de théâtre, c'est tu sais, la troupe de théâtre euh, du Cégep Sainte-Foy. Ouais. Puis il y avait des auditions, puis il y a comme trois projets qui se mettaient en branle. Ouais. Puis il y avait comme un metteur en scène associé à chacun de ces projets-là. Ouais. Fait que là, on auditionnait. C'est là que j ai, j ai, j ai, je trouvais que Patrice était bon. Moi aussi. <rire> <rire> Ensuite, ils comme dans un trio. Ils étaient ouais. comme trois. Ouais. Ah ouais? Moi, j'étais comme en infériorité numérique. <laughs> j'arrivais de Redville. je ne connaissais personne au Cégep Sainte-Foy. J'étais comme eh, hey, boy, je trouvais ça gros. Je à par... ah, d'une ouais? école de... Je pense qu'on était 600 dans l'école secondaire que je... que je fréquentais. Puis là, on arrivait au Cégep-Sainte-Foy. Je pense avec les cours du soir, les élèves... Euh... Ouais. Les, les, les élèves adultes, là, je ne sais pas trop, les cours aux adultes, je pense qu'il y avait 6000 personnes. Tu sais, oh. fait que c comme. Puis est-ce bon, euh, est qu'au bon secondaire, vous faisiez déjà des trucs un peu artistiques, théâtre? Il y avait-tu un intérêt déjà? Ouais. Moi, je faisais de l'impro. Je okay. faisais du théâtre aussi. Ah là, ouais. voulais, oh, oui? Ouais. Au, au, au séminaire Saint-François, je dans la troupe de théâtre. Je ah faisais, ouais, ouais. ouais, quand même? Ah, tu viens du séminaire Saint-François? Oui. OK. Toi aussi? Non, non, mais euh, non, moi, c'est Collège Notre-Dame, mais… très faire en film. <laughs> pas vraiment, parce oh non. que non, non, mais ça, c'est une école privée, mais ça, c'est un séminaire, puis c'est comme, euh, c'est comme la, 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 la bonne école de Québec. <laughs> non, mais c'est un séminaire de Québec. Oui, il y a un séminaire non, non, de non, de mais c'est une moi, blague, une, mais... Une mais, euh, mais non, non, je, je Capot, sais, c'est ouais. ça, mais c'est l'éducation un peu rigoriste, oui, oui, euh, inspirée de l'éducation religieuse. Mmh. moi, j'avais ouais. certains pères qui étaient, mais c'était quand même très très laïque encore. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Très bonne école, mais c'était pas dans les, tu sais, c'est pas. C'était pas dans les bonnes écoles, mais il me semble que, que ouais, les... je oh, pense oui. Oui, c'était dans les bonnes écoles. Quand ouais, même, là. <laughs> ben ouais. oui. Puis hey, c'est les pères, généralement, ça va ouais. <laughs> Oui, oui. Non, mais, mais en fait, oui. Puis là, après, fait que là, pis là, vous avez fait le conservatoire, mais à un an de décalage. Oh, oui, OK, mais là, là moi, j'ai plein de questions là-dessus. Là là. <laughs> OK. On <laughs> on s'est <rend, rire> se parlé du conservatoire. Donc, on se rend compte au CGEP. Oui. La première pièce, c'est. Lavabo. Lava ça Lavabo. Lavabo. Lava une... Ça, de ça, ça, ça fait Un vraiment pièce de cégep. <laughs> c'est une création collective. Ah, des, ça, c'est cégep. Des, non? Les médicins du Conservatoire de Québec. Ah! Oh! dans cette classe-là, il y avait Simone Chartrand. Oui. Euh, la a... syndicaliste? Non. C'est une actrice. Très bonne actrice. <laughs> euh, fait qu'il il y avait. Euh... Oui, mais c'est ça, c'est oui. ça son nom, c'est oui. oui. Puis, euh, en tout cas. Il y avait euh, Carole. Carole Cassista. C'était est... à propos de quoi? Okay. L'avabo? C'était l'histoire. C'est moi qui jouais le... le, le gars. Oui. Et... Euh, mais en fait, j'avais un peu le rôle plat Parce que c'est un gars qui, qui a des problèmes avec sa blonde. Puis après ça, on rentre à l'intérieur du wow. gars. Et là, il y a... Ses émotions. <laughs> la sensibilité. Ça, tu... hey! Moi, je faisais... Mais il n'y a, a pas fait de ce Pixar. C'est ouais, ouais, Pixar ouais, ouais. 20 ans avant. Ils ont copié. Ils ont copié l'amabo. Ils ont, ont copié ils ont l avabo. L avabo. <laughs> Moi, je faisais... j'étais <laughs> rendu susceptibilité. Non, non. Susceptibilité, c'était celle avec les pics. Elle avait des pics. Oh, génial. Mais moi... Non, moi, je faisais... J'étais comme le sidekick de Guillaume Champoux, qui faisait ah le oui. savoir. Et moi, je faisais la nouvelle idée. Ah je oui. faisais <laughs> Néo. Wow! <laughs> C'était-tu oh, des aussi. de ouais, Moi, j'étais Néo, puis lui, il était le savoir. C'était ouais. vraiment... Euh, c sûr. Ah fait ouais. que moi, j'allais à la rencontre de, des différentes parties wow. de, de moi. C'était-tu euh, collant, les, la Seno? C'est sûr qu'il y avait un cube noir dans Seno. Euh, moi, je pense que c'était assez épuré assez comme mes ouais. enfants. <laughs> mais il me semble qu'on avait de jolies costumes. Puis on répétait toute l'année, puis on faisait juste trois représentations. C'est vrai? Ouais. Non, oui, c'était ouais. un peu. C'était la grosse affaire, hein, quand ben, même. C'était pas la grosse affaire. Non! Non, mais c'était. Yeah, hey. Mais à, tu... là, c'est ça non, pas cette année-là. La deuxième année. On, on, déjà, on commence à se penser bon. Là, on se, se prend en bon. main. mais c'est des stars de lavabo, là. Je non, comprends. mais c'est pas tant <laughs> que ça. Non, mais je comprends ça. Là. Mais là, on retourne à l'espèce de, de j'allais dire, de, de showcase où les metteurs en scène disent c'est quoi qu'ils vont monter dans ah, l'année. La, oui. Puis là, bon, on allait comme auditionner un peu pour être... Est-ce que vous avez choisi, choisi Ah, vous avez choisi <rire> la... <rire> <laughs> les deux, Non, non mais okay. Carole, il était super. Sérieusement, ouais, c'était un metteur en scène ouais. super le fun. Il était, tu sais. Fait que là, c'était comment? Ah, je pense que je vais avoir du fun là, tu sais. OK. Puis là, la deuxième année, on était allé à cette affaire-là. Puis... Hey, J'ai complètement oublié ouais. ça. Mais, ça mais là, on a fait. Hey, on dirait que les projets ne nous tentent pas. Et là, on a déjà commencer à faire les affaires par nous-mêmes. Ouais. Non! Oui. Ouais, je ça. On a monté euh, ben on a monté un euh, classique, un classique, la, la, dé 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 la déprime. <laughs> la, déprime. <laughs> la déprime. Oui, le la la oui. Comme du 9 la qui déprime. <laughs> non non, la déprime c'est les le... gars qui boivent. <laughs> <laughs> non mais c'est l'impôt, comment tu peux déprimer <laughs> mais OK C'était quoi la déprime Non mais, mais la, la déprime dé c'est la grande pièce de Québec là, c'est avec Raymond, c'est pas Raymond Legault, Raymond Legault et Girard. Raymond Girard, Denis Mouchard, une création collective ça se passe dans un terminus d'autobus. Exact. Suzanne Suzanne comment s'appelle Champagne toute une galerie de personnages, mmh. puis on, on a pris la pièce parce que c'était drôle mais aussi parce qu'il y avait plein de. Et là, on l'a monté nous-mêmes. Oh, on l'a monté nous-mêmes. Ben on, a... ouais. hey, on avait fait nos décors, là, avec... on s'était acheté, tu te souviens de ça Au séminaire Saint-François, des... je te retourne ah, au oui? séminaire Saint-François. Pour, on, pour confectionner nos décors. Hey, nos décors étaient lettres. Nous qui les avions en fait. On était allés acheter des éponges et on avait fait comme un peu un effet là, euh, euh, sur les murs, là, donner de la texture ça, à nos murs. Ah, ah, pati ouais, une ça. patine, une mais belle, une belle patine. patine. Ah, oui. <laughs> on avait loué un téléphone. Un banc d'autobus. Loué un téléphone. Un, non, mais un téléphone public. Ouais. C'était ouais. comme la, la mais pièce. Le banc d'autobus. <laughs> on avait obtenu un banc d'autobus <laughs> comme un ouais, peu ouais. de la ville. Wow. C'était la pièce. Il qu'il y avait des jeux comme une vraie entreprise Et là. Vas-y, raconte-le. Bien, on a monté la pièce. Oui, mais qu'est-ce qui se passait dans la salle à côté? Ah ouais. ah oui, il y avait Rémi Gérard et Normand Chouinard non. qui jouaient en attendant Godot. Dans, à, à, le mythique, euh, ouais, la ouais. mythique production. La, la petite salle où on jouait, le petit amphithéâtre, petit un petit cas je ne sais pas trop. C'était là, puis vraiment, il y a un corridor, puis tout de suite à côté, c'est la salle Albert Rousseau, les ouais. coulisses de la salle Albert Rousseau. On savait qu'ils jouaient, Fait qu'on avait glissé un mot en dessous de la porte, puis on avait eu… La, ouais. la, y, on les avait comme rencontrés, étaient comme venus nous voir, puis on dit ah mais nous autres aussi, ouais. on a fait du théâtre à Québec, blablabla, ouais. blablabla, ah. c'est ouais, les stars de Lavabo. Ben, ben, ben oui, c'est ça. Non on mais c'est capoté parce que plus fou. tard, normal, ben, c'était le, ben, le directeur. Ça a été le directeur quand moi je suis rentré. puis ah. François aussi. Est-ce qu'il s'en souvenait? Ben oui, il s'en souvenait. Il était venu nous parler. Ouais. ouais. On était vraiment. On était tellement content. Puis on avait fait la mise en scène, puis on a fait. Moi, mon souvenir de la déprime, c'est qu'on avait fait, ça avait bien marché. Et là, on avait des affiches dans le cégep. Et à un moment donné, sur une affiche, il y a, a quelqu'un qui a marqué 10 sur 10, bravo. Wow. Wow. ça, ça c'était… Jamais oublié. <laughs> comme, ça, c'était les qualités de Télérama. Là. Ça, c'était. <laughs> oui, c'était ça. Hey, c'était tellement. Ah, ouais. Non, puis. OK, on, on rentre-tu dans ce, ce volet-là. Mais là, on peut. là. Non, mais, tu sais, c'est aussi. Tu sais, François, puis moi, cégep, euh... il y a beaucoup de filles. T'sais, ben oui, tu comme... Puis était, on n'était pas deux gars qui connaissions beaucoup de succès euh, auprès, auprès de l'agence de la musique là-dessus. Ouais. <laughs> <laughs> Puis là, ben, écoute, c'est comme si ça a été des moments où Rockstar, ben, ben, mini Rockstar, tu sais, même te jouer la babo, ben, la déprime <laughs> au petit tamphine. Non, non, mais attends, là. <laughs> Rockstar, c'est vraiment relatif, mais il y, a, il, y avait il y a quand fait, même... Il, il faut juste ça, non, pour avoir du fun. Oui, <rire> mais, <laughs> mais c'est ça. Mais il y avait quand même ce... ce je ne sais pas comment Le, nommer mais le courage ça. Ouais, je... oui mais il y a comme un petit éveil de quelque ouais. chose il y a quelques yeux qui commencent ouais. à ouais. là c'est le fun le début d'un potentiel aussi une découverte d'un potentiel est-ce que c'est arrivé à ce moment-là euh, tu sais comme ouais. on, en fait on est tombé amoureux de la même fille ou c'est oh. oh, fait... génial je veux te savoir bon, ça, est qui est Thomas. cette dame on ne peut pas je... dire ça non okay, pas mais c'est ça c'était une fille qui était super On les deux puis moi j'ai toujours dit que si j'écris c'est à cause elle m'aimait pas, c'est ça, mon drame, cette histoire-là. Mais il y a un déclic qui s'est fait, j'étais dans un cours de poésie, puis c'est là que je me suis mis à écrire. Pis là, comme pour exprimer ma peine d'amour, on dirait que l'écriture est devenue comme un moteur, puis c'est à cause de ça que j'ai écrit. cest vrai? Ouais. oui. Oh. oui. Ouais. Ça, ça me touche, ouais. mais il y, y a une catharsis dans -ce, ce que, un, que tu es en vie. Est-ce en amour avec un, un, un de vous deux? Comment l'amitié, est ce qui s'est passé? Non, mais parce qu'il y a un, un drame shakespearien qui se dessine. C'est peut pour ça que vous êtes encore amis. Oui, oui, oui. Mais ça non. serait une, une bonne… Une, une chouette fille, vraiment une fille. Était, elle, était... elle avait tout. Elle comme, était comme… Hey, <laughs> elle spectaculaire. Elle incroyable. Elle devient quoi aujourd'hui? Moi encore là, anecdote. Non, mais… Elle vit à l'étranger. Elle vit à l'étranger en Une espèce de vie justement… De Bohème. film, là, tu sais. Ouais. C'est comme euh, elle est avec. Euh, c'est ça, elle est avec. Ah non, c'est elle elle super. super. J'avais croisé. C'est super. J'avais croisé. À la fois, c'est lourd, là. Non, mais, mais le pire, c'est que j'ai une amie de même que c'était la, la, la fille la plus désirable euh, au secondaire. Puis là, je l'ai retrouvée récemment sur Instagram. Puis elle vit littéralement. Dans un manoir à Milan, oh. avec un, ah ouais, un chef d'une maison de mode. C'est déjà tout. tout tracé là. Oui. c'est comme, euh... comme la super belle fille que j'ai. Puis là, elle vit à Milan. j'aurais ben ouais, ben ouais. pas pu t'offrir ça. Fait que je suis serein avec mes échecs. De mais t'as bien des qualités film. T'es pas serein avec quoi que ce soit. C'est pas une C'est plein de Mais ah, je dirais vrai. jamais. La un sérénité, c'est fait. Non. Ni avec mes échecs en ouais. général. <laughs> je suis avec, tes, avec tes réussites non plus. Comment vous vous retrouvez au Conservatoire ah oh, ça c'est ça, ça m'intéresse. Et là après le Juste avant pour ceux qui savent pas c'est quoi le conservatoire? Ben c'est une école de théâtre. La meilleure ouais, école de théâtre au Québec. <laughs> Merci Phil. Il y a le conservatoire à Québec ouais. et à Montréal. Ouais. Ah mais ça c'est ma première question. Pourquoi Montréal si vous êtes de Québec? Ben, en fait c'est Patrice qui est allé avant moi. En fait nous on a continué à faire du théâtre à l'université Laval. On ouais. est dans la troupe des 13. Okay. La première année, on a fait encore le même procédé. On est rentré dans la troupe des 13 ouais. universités pour on a fait un show avec. Euh, on a un... fait le vrai monde de Michel Tremblay ah, et ça n'arrête pas les classiques. je jouait mon père. Hein? <laughs> Donne-moi. <laughs> ouais, cool. Ouais, cool. Ouais, cool, ok. Euh, est-ce que est-ce qu'ils dit... On a un peu tripé sur la même. Encore, chose. <rire> encore. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce une fille dans la troupe? Euh, oui, y a, oui, ouais. <laughs> Est-ce que tu est as de la poudre à bébé pour te blancher? Pis euh, le... Je le? sais plus, je m'en Sûrement, probablement. C'est théâtre amateur. Oui, c'est un amateur. Mais euh, c'était très, euh, ouais. très fun. Puis moi, tu vois, c'est là où. C'est fou. C'est là où j'ai eu le. Comme le. Euh, le saut d'approbation de la part de mes parents, en fait. Okay. Ma mère. Mais j'oserais dire. Ma mère a dit oui, fait que mon père a fait OK. <rire> <rire> mais c'est là que j'ai senti que ma mère disait. Je sais pas, elle venait de voir d'autres choses qu'une comédie. Ouais. Elle avait vu. tu sais, On se prenait comme. On, on se frottait un texte. Et, ouais. euh, un drame, là, ouais. quelque chose de vraiment intense. Puis on s'était vraiment plongé dans cette affaire-là. Puis je me souviens que ma mère, après ça, elle avait été impressionnée par ce qu'on avait fait. Puis on dirait après ça, ça légitimait ma décision de vouloir m'en aller là-dedans. Ah ça. Ouais, ça parce ça que c'est cool. Patrice qui, lui, a vraiment... Moi, j'étais un peu plus pissou. Puis c'est Patrice qui a vraiment fait... Moi, je je fais mes auditions, puis il voulait... Moi, je moi j'étais pas sûr. Puis c'est Patrice qui a été accepté au conservatoire à Montréal puis qui est parti à Montréal. Mais, mais ouais, il y a mais mais des en gens... Ouais. Plus... Ce qu'il faut dire aussi, c'est que... Moi, j'avais pas les notes de François. François, il, il, académiquement, il... Ça mais tu en philo, il me semble, dans la science politique. Science mais, politique. Euh, oh, ouais. C'est un gars qui réussit ouais. très très très, je suis très bien bon tu à l'école, mais j'étais très, oh. très travaillant aussi. Là, mais je suis, je suis un peu un, ça fait que, pour François, c'est important. la vie universitaire. Ouais, ouais. Moi, l'université, je suis rentré là, j'ai joué à l'impro, j'ai joué à lui. C'est là que j'ai rencontré, tu sais, uh, uh, Pearson, uh, Pierre François Lagarde. Ouais. Oh. on était tous, on est tous rentrés en même temps dans la ligue. c'était comme, hey, c'était donc bien le fun. On <laughs> faisait du tarte avec les autres. Tu comprends Fait que j'étais comme j'avais des cours de communication, puis le programme à ce moment-là, c'était même pas un, un bac, c'était une majeure. Fait que c'était okay. deux ans en communication, puis là, je m'enlignais pour faire une, une mineure en cinéma. Wow. Puis là, j'ai fait, il oh, m'entorche de ça, j'ai fait mes auditions, puis j'ai été refusé. Je voulais juste aller soit là ou euh, à l'École nationale. Je ne sais pas, c'était ça que j'avais décidé. Pourquoi? Ma mais pourquoi mais Attends, tu euh, à dans la Montréal. Ouais. Oh, je voulais comme m'affranchir aussi. C'était comme l'idée de, hey, ça, je fais ça, puis ça va m'appartenir. Je veux quitter Québec, puis. Bien honnêtement, je sais que c'est un super. Euh, mm -hmm. Québec, la Très belle ben institution oui. à Québec, puis tout, ils ont formé de, de, des. Des grands super, acteurs. J'ai aucun bug avec ça. Mais j'avais comme le désir de m'en aller à Montréal, puis dans ma tête de, de, de jeune garçon, je me disais, moi, j'étais intéressé par la télé, j'étais intéressé par mm. le cinéma, puis tout. J'avais l'impression que j'allais me faire plus de. À Montréal, c'est là que ça se passe. Exactement. Hey, tu te défends, mais ça a marché, non, mais je, plan, seul seul mais je me défends pas. C'était ça je comprends. de marché. je suis parti avec ma copine. On s'est installé à Montréal. Puis là, je me souviens, François était venu chez nous à un moment donné. Il avait vu mon appart qui ne payait pas de mine. Là. <laughs> fait que je restais dans le centre-sud. Puis là, ben, l'année d'après, oh, François faisait ses auditions. Mais il y, 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 une... ou... y, okay. ouais. ouais. y a une, y a une légende de... te concernant okay. dans, tes, euh, dans tes auditions que tu aurais donné la réplique. Oui. Puis Normand Chouinard serait venu te voir pour te dire, T'as As-tu pensé faire tes auditions? Ouais. Te » Oui, je, ben, je, je donnais la réplique à une amie. Puis moi, c'était ben, la même année où toi, tu as… Mais juste avant, de donner la réplique, tu c'est quoi? Euh, donner la réplique, ben, c'est disons quelqu'un qui fait son audition, il a besoin de, de quelqu'un pour donner la réplique. Mais toi, tu n'es toi, pas en audition. Tu es juste là pour mettre en valeur ouais. l'autre personne. Puis là, euh, là c'est ça. Moi, j'étais là pour donner la réplique. Puis euh, après l'audition, ça, Norman Chenard était venu me voir. On t'a trouvé bon. On aimerait ça que tu te présentes l'an prochain. On a vu Lavabo. Oui, c'est ça. Ça m'avait un peu fluffé euh, l'ego. Ben, c'est ah, ça. Oui. Ça m'avait excité un peu. Là, fait que l'année d'après, j'ai fait mes auditions. Tu fait des auditions. C'était quoi ta scène? Moi, je m'en souviens. Mais moi, je connaissais pas beaucoup le répertoire. Non, hein? non. Tu sais, je connaissais pas beaucoup le théâtre, dans le fond. Euh, j'avais fait Goglu. Oh non! C'est Jean Barbeau. <laughs> Ça, c'est 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 vieillot, là. Je t'en prie, mets tout le contexte du monde, là, t'as perdu 99% du monde. Ben, oh Jean, Jean Barbeau, c'est un auteur des années 50 à ouais, peu près. Ouais. Oh, ah, puis même euh... Mais c'était un peu rough. C'était ouais. comme euh, hey, je vais aller me crocher. C'était comme un peu rough. Là. Ça, c'était ta québécoise. – Ça, c'était ma Québécoise. Dramatique. Dramatique oui. Euh, oui. Puis l'autre, je faisais le bourgeois gentilhomme. je faisais le oh, maître mais... de philosophie. Hein? Là, je parlais à plus. <rire> <rire> Fait que tu c'était deux propositions très, très radicales. Mais ça monte ton range, comme on dit. Oui, oui. Puis bien, ça a marché. Visiblement, Exactement. mais ah, il rentrait avec Gabriel. Mais j'ai une belle anecdote. <laughs> j'ai une belle anecdote. Parce que, tu sais, il y avait le stage au conservatoire ben oui. Et là, il nous disait, on arrivait, parce que là, on, était, on fait l'audition, puis là, ils il en choisissent genre 30. 26. Nous, on ouais. était 26, je me souviens. Et après ça, pendant deux jours, tu t'en vas faire un stage. Ouais. Là, c là, tu sais, c'est des affaires. Ils te voient, là, tu sais. Puis. Il nous avait dit eh ben là vous, vous devez mémoriser une fable de la Fontaine. Oh Donc non. Là, là, on là, moi stressé. aussi c'était ça fait que là on la mémorise fait que on, on nous on pensait qu'elle allait nous demander de la réciter mais c'était pas ça c'était là il y avait un piège. Là on arrive à la fin du stage on passe devant tous les profs puis là, c'était pas de la réciter, c'était est-ce que tu pourrais nous l'incarner à travers le, de, du point de vue d'un des animaux? Parce que c'était des phares avec des animaux. Fait que là, il fallait faire un animal, puis raconter en une impro. <laughs> tu sais, c'était vraiment. Un ah an, hey, euh, puis animal, tu dis, quoi, ton dis, dis, quoi ton animal? C'était quoi ton animal? Moi, ouais. c'est ça, c'était un bœuf. Ouais, et j'ai fait le bœuf, et tu sais, quand t'es acteur, amateur, t'es tendu. Même des fois professionnel, t'es tendu. Et j'étais tellement tendu, puis que je me suis mis à saigner <laughs> du nez. <laughs> <laughs> un bœuf! C'était la première fois de ma vie que je saignais du nez. Fait j'ai comme. J'ai fait. Ah, je m'excuse, je saigne du nez, ça m'arrive jamais. <laughs> Allez, ah, <m> on dit <laughs> cet acteur est génial! Mais oui, j'ai tellement investi! Ah bon, mais bravo! Que, mais, aille, aille, aille. Quel animal tu as interprété? Ah, on dirait que ça, ça me dit plus rien, cette affaire-là. Oui, j'étais sûr des traumatismes. <laughs> non, mais ça. Ça. Euh, je, Puis vous avez parlé des scènes pour rentrer. On dirait que. Il me semble que j'avais fait un truc de... Je pense que c'est une auteure... Euh, ma scène québécoise, je pense que c'est Marie Peltier qui okay. avait dit quelque chose. C'était une pièce, une création avec Paul Savoie. Mais tu sais, c'était une affaire, man, plate. Non, je dirais <laughs> pas ça. Mais tu sais, c'était une scène quotidienne. C'était un truc de même. Puis il me semble qu'il disait ne pas faire un monologue. Puis il ouais. me, me semble que j'avais fait... Tu sais, on avait fait la culotte. Oui. Il me semble que j'avais fait un monologue ah, oui. de tout ça. La culotte je dirais ça. Une pièce ouais. de jean Janouille. Ah oui, ben oui, un autre, un autre, oh, un autre oh. classique. <laughs> un autre classique. On l'a vu souvent ici. Mais, euh, ouais, je pense que c'était ça. Mais tu sais, quand on rentrait, le, le stage dont tu parles, c'était malade, cette affaire-là. Mais t'avais tu. Est-ce que. c'était tout le Flash tous les profs? dance. Flash dance. Ouais, ouais. Le moment Flash dance. Tous ceux qui savent pas c'est quoi un stage. C'est quoi un stage en école de théâtre. Alors, ben là, ils ont la, fait la fin une du processus. En ils fait, fait... c'est. Ouais, c'est l'ultime. Excuse-moi. pas de C'est l'ultime En fait, je sais pas si c'était ça, mais tu commences par une première audition. Là il filtre, tu fais une deuxième audition, puis là tu as le stage. Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais, je pense que c'est en fait c'est vraiment là tu es dans le, le top tier, c'est la dernière. Ouais, Qu'est-ce est... que vous faites dans le stage qui m'intéresse Ah, oh, Tu ouais, fais des de exercices. Euh... C'est du mouvement, une... du mouvement. Puis on est avec du 30. Mou... Oh, du oui <laughs> oui. Oui ah, oui. L'humoriste ouais. à moi il trouve on ça très. Ah non, c'est mais mais c'est les affaires, je trouve ça weird. D'ailleurs, je leur avais dit mais, oh, on est, ils étaient tous là, là tu sais vers la fin là, tu vas les voir là, le ouais, tu... il y il a deux, dance, sur là, deux sont étages deux étages là, je... là je pense qu'ils étaient 13, là puis là je suis comme en avant deux autres qui capote. puis là je me souviens Normand Schneider m'avait demandé euh, il dit euh, mettons qu'on te prend comment tu comment tu vas fonctionner tu, sais, tu viens de Québec ai dit je vais venir rester à Montréal il y avait tout le monde là <laughs> capable ça m'apparaissait logique là je sais pas trop je vais m'arranger puis euh, il m'avait quand même je trouvais ça beau il m'avait dit on a décelé chez toi euh, un côté comique, euh, puis qu'on aimerait ça. Euh, je sais pas comment il y avait wordé ça, mais c'était genre, on veut pas essayer d'étouffer ça. T'sais, on veut uh -huh. essayer de, je de, sais pas, de, de focaliser sur tes mm -hmm. forces, puis pas juste euh, piocher sur tes défauts, puis essayer de te, te casser. Moi, j'ai zéro le feeling de, de chercher à me casser. Ah ouais ah oh ouais, tous, as eu... oh ben ouais ça... on, a, on a parlé Parce en que tour, toi aussi, t'étais allé au conservatoire oui, de Montréal. Oui, mais après vous. Moi, chez vous, vous étiez comme la… Ben, vous vous, vous deux... qui, profs, avez -vous des profs quand Ben oui. Oui, tous. Pas mal, pas mal ah, tous, même. Ce qui est fou, parce qu'il y a quoi, 15 ans de vos… 12, 12, 12. Quelle année t'as fini 2010, mais je suis rentré en 2007. Puis, il y avait les photos, évidemment. Moi, je suis sorti 99, hein? 8 ans de gap. Ouais. Mais, ouais. Mais ça veut dire. l'école de l'humour, il y a les mêmes profs. Oui. Mais tu vois, c'est qu'au conservatoire, il y a un peu comme à l'école de l'humour avec les photos de finissant. Il y a les photos de famille au conservatoire où chaque année, tu prends une photo loufoque. Costumée. Oui, loufoque. Mais c'est pour montrer l'esprit de famille. Puis, on regarde à chaque fois les classes avec admiration. Puis, vos deux classes, c'était comme les classes à battre là. ou en tout cas les classes légendaires je dirais c'était ben, une bonne euh, oh, ben, ouais, vous, vous étiez dans c'est l'après euh, conservatoire quoi c'est le, <laughs> le vide ben, c'est le vide c'est okay. plat parce que le conservatoire en tout cas c est, c est quand, moi j'ai trouvé que c'était tellement une expérience tellement le fun ah, ouais. faisiez-vous des parties faisiez-vous de ben oui chose? oui ah, non nous nous fun. en fait en fait oh, comment expliquer c'est que c'est des gens qui se réunissent. Non, non mais quoi, moi je ne pas. <laughs> non mais... ça c'est <laughs> super simple. Oui oui mais mais c'est tout le temps c'était tout le temps les journées mondiales du théâtre ouais, puis c'était comme la, la responsabilité ouais. du conservatoire ouais. d'organiser euh, mm -hmm. des parties mais quand je dis parties. <laughs> non non c'est la journée mondiale du théâtre. Toutes les écoles oui oui ouais. c'est que toutes les écoles arrivent au conservatoire. Pour faire la fête. Pour faire la fête et Avec les comédiens résonner, les résonner. Vous résonnez, on résautait, on résautait. — Ben tu, tu, ouais, tu. Il y, en, là, en, y en a, là, il y en a, qui résautaient en crise là, mais mais cool. mais c'était vraiment le fun parce qu'il y a une espèce d'énergie de la jeunesse. Ouais ouais. Puis tout le monde est au même beat. De, on est passionné, on est, on est comme fier d'être accepté à une école. Fait qu'on fait partie entre guillemets. Je sais pas. Ben il y a un côté un peu. On est une clique fermée. Ce qui fait qu'on on connecte vite, puis c'est des parties vraiment cool parce que tout le monde est sur le même beat, tout le monde vit les mêmes stress, tout le monde vit les mêmes ouais. affaires. Puis c'est une soirée où on se lâche et, et tu, tu peux réseauter, mais, <laughs> euh, mais nous, nous mettons, c'est qu'on arrive au concertant, puis le concertant, c'est con, là, mais les murs étaient neufs. Et moi, j'ai inauguré le concert sur… Euh, <laughs> fait qu'il était pas tant down qu'il y a comme 200 personnes qui débarquent oh, dans les nouveaux… Mais on avait fini… On avait, on avait fini par comme dire que on, on, à dévierger le lieu là ouais puis on avait fait écoute on avait été pendant ah euh, oh, ben ça c'était ma, ma, ça c'était ma démarche on avait été sur tous les clubs de Saint-Laurent pendant un mois pour trouver les bons DJ. On avait engagé ah, ouais. des DJ dans 15, les deux clubs. On avait fait venir des bands. On avait fait venir une cantine pour qu'à 2h du matin, il y ait des hot dogs à wow, tout le okay, monde. Est-ce euh... que vous faisiez des soirées de poésie? Parce que moi, ben, Atelier libre, nous, on oui, faisait... Atel... Ça, c'était tellement le fun. Ça, ouais. ça c'était des soirées qu'on se faisait où... En dehors du cadre académique, tu pouvais genre. Faire ce que tu voulais. Faire un numéro de stand-up. Puis moi, c'est là que j'ai commencé vraiment à écrire pour vrai. Tu sais, je pas dans mes cours, mais tu j'écrivais des petits monologues, puis j'allais les jouer. Puis c'est là que j'ai comme eu envie d'écrire pour le théâtre. Ah ouais? Mais est-ce que. Est-ce que, mettons, ton style d'humour, il était-tu déjà clair à ce moment-là? Où tu le développais, tu sais ce, que tu, ce qui te faisait rire? Oh, ça n'a pas l'air. Ben, je, je, ouais, je pense qu'il devait y avoir euh, quelque chose. Des prémices. Le ben, départ, est-ce que tu voulais faire la comédie? l'école où tout était. Ben, non, mais dans je... son écriture, il y a tout le temps eu ça. Il y a euh, toujours on, eu de la drôlerie remontée à ouais, Place ouais. de Ville. Oui, oui. Euh, place euh... de Ville? C'est quoi ça? C'est <laughs> ça, je non, connais on pas. On avait une... fait un spectacle à cinq vrai. fois. Puis, à un moment donné, j'étais retombé là-dessus, mais il y a, y a vraiment longtemps. Mais ça faisait longtemps qu'on avait fait Place de Ville. Genre, on était sur le cégep ou université. On avait fait un spectacle. On avait comme été engagé par la ville de saint foy pour faire un show dans un parc. Puis, il y avait déjà le germe de, les petits de son shows. univers. Ouais, ah, ouais Parce que ton premier texte, c'était Gary de l'Ohio, de, de il me semble. Oui, oui. Puis, en tout cas, il y a, y a y eu… Oui, J'ai commencé dans les soirées de poésie, j'écrivais des monologues. Puis, au début, monologue monologues, c'était François qui parlait mais là j'inventais des affaires tu sais genre euh, j'inventais genre ah, ma blonde me laissé », tu sais là c'était un peu drôle puis là les gens disaient ah c'est vrai tu sais je jouais ah, ouais. avec ça c'est mon souvenir puis il y a comme c'est là que j'ai fait ah j'aime ça écrire puis j'aime ça jouer ce que j'écris tu sais puis les gens me disaient ah c'était bon aussi quand tu fais ce que tu on dirait que c'est là que j'ai fait mm. ah ça prête ça ma voix on dirait qu'il y a quelque chose qui me distingue là ouais. Puis j'aimais ça, ce côté-là. J'aimais beaucoup le côté académique du conservatoire, mais j'aimais ça, tout l'extra. Le, euh, ouais, oui, oui. Hein, c'était ouais. beau ces soirées-là. On prenait un verre un peu, là, puis on allait chanter. En je... fait, c'était le moment de, de, de tout est possible. Ouais. Moi, ouais. est, le conservatoire, ouais. c'est vraiment comme ça que je ouais. l'ai vécu. Là. Ouais. Moi, je me souviens, Normand Chouinard, on rentre au conservatoire, on est dans l'auditorium, puis nous autres, on a eu le privilège d'être dans. Le beau bâtiment, Le beau, là, sans Notre-Dame-Est. C'est l'ancien la, palais de justice à l'époque. C'est maintenant la cour d'appel. Oh. Oui. Moi, je rentrais là, là au conservatoire, j'étais comme... Man, c'est des, des plus, colonnes. C'est-à-dire, vous avez les plus beaux locaux de répétition au monde. Puis on se disait, c'est un peu vrai. C'était des cours de justice, là, ouais, tu as des oh, murs en bois, bois tu sais, puis dorés. Écoute, euh, une coupole au plat. Tu c'est comme, c'était malade. J'arrivais avec mon cas, basic. Moi, <laughs> bon, là, j'étais là, je suis C'est le don, ben. Puis quand tu joues euh, le classique, les tragédies. Oui, euh, ouais, je me à barbe. J'avais mes sandales. Donc on j'écoutais du Wagner dans mon Walkman. Oh, t'es un acteur. j'étais un acteur au fond, là, tu comprends? vient Mais moi. Le, je me souviens, Chouinard, on était assis dans le, le petit le, le auditorium là, ouais. où on faisait le Jean Valcourt. Ouais. Puis, il nous avait dit en partant Vous êtes des privilégiés d'être ici, vous avez été choisis parmi je ne sais pas combien. Ouais, ouais. Je ne veux pas que vous arriviez en retard. Pas... Tu sais, c'était comme Clac On dirait qu'il a tout de suite établi un genre de standard, de sérieux, de. Ouais. de... Niaisez pas, ce pas parce que vous êtes en or que vous allez vous pogner le cul et on va accepter mmh. que ça soit plus mmh. proche. Puis je trouve que c'était beaucoup ça. Il y avait vraiment un bon directeur. Il était présent. C'était malade. Puis ça a comme créé cette affaire-là. Ça a créé un espèce de bouillonnement d'idées. Puis de, on se fait une soirée de ti, on se fait une soirée. Tu sais, c'était comme, c'était dynamique, c'était le fun. Moi, je me suis senti tellement libre. Je retournerais là. N'importe quoi. C'est qu rare, les gens ont dit C'est toi, c'est parmi les trois plus belles années de ma vie le conservatoire aussi. Ah je... oh, ouais. 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 C'est pour ça tu sais, j'étais à voix <laughs> depuis tantôt. <d> Mais <laughs> <et les> je <gens, rire> suis pour toi, c'est tellement pas ça. Et moi là, je te dis là. il faudrait me... j'essaie à ce jour de chiffrer Combien faudrait me payer pour revivre ma première année? Non mettons. Mais Phil, il capote pas ah ouais. sur être avec 12 personnes en même temps. Non, bien ça, Les oui, ok, j'ai mes petits problèmes, ah. là, pas mais c'est peut-être juste... avec 12, d'être dans un groupe précis. Ça, ça, ça dépend, ça dépend, mais moi, ma classe, classe j'ai été chanceux, on, on, est vite, on, est, on est vite devenu fusionnel. t'es qui ta classe? C'était, mettons, euh, Sonia Cordeau, Mike oui. Aoudja, Hugo Bellefort, Charles-Alexandre Dubé. Non, Julien était dans ah la problème. classe à, après moi, mais on était une classe que vite on est devenu fusionnel, puis on était une classe qui. Euh, mais tu sais toutes les affaires de théâtre de respirer par l'anus là tu sais ah ouais. tout ça hein, nous, ça m'énervait aussi oui, beaucoup non, nous, là. nous on n'embarquait pas là dedans hein? fait qu'on était une classe genre on se faisait rire entre nous quand ces exercices là arrivaient tu sais on se regardait puis on se jugeait beaucoup ce qui d'une certaine façon a déterminé beaucoup notre, notre le dynamique beat, vraiment, ouais. mais en même temps qui laissait pas beaucoup de place à l'erreur parce que dès que quelqu'un il se faisait un peu exactement par le groupe. Fait, tu sais, ça, ça avait le défaut de sa qualité, je ah te ouais, dirais. Je puis, euh, puis moi, moi, je suis arrivé, tu sais, d'un espèce de curriculum très 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 académique, très les notes et tout. attends euh... allé au Cégep de Valleyfield juste avant. Non, mais ouais, mais je <laughs> vais <C 'est> juste dire que. Oui, mais attends. Pas, là, tu très ris... sérieux, mais... Non, mais tu ris, mais <laughs> le Cégep de Valleyfield à cette époque-là, à cette époque-là, c'était probablement l'école qui permettait, qui, qui qui avait les meilleures stats en termes de placement dans les écoles de théâtre. De Comme vrai. on était, mettons, dans mon année, on était six à, à passer des auditions, puis il y en a cinq qui ont été pris euh, dans, dans toutes les auditions, dans toutes les écoles. C'est fort. Oui, mais ben quand même. Puis il y avait un vrai programme élite de théâtre avec la troupe de théâtre. Où on allait jouer, en, entre autres choses, en Lituanie, en Espagne. On présentait notre création dans des festivals universitaires. Fait on avait aussi accès à... Du théâtre d'ailleurs dans des festivals et là on, on réseautait avec le monde là. ça, euh, <laughs> ça j'ai réseauté avec la Pologne mais, <laughs> mais euh, en gros euh, en gros ouais, moi je suis arrivé là puis c'était moi j'étais quand vous parliez du stage je me souviens je me souviens très très bien d'être assis d'avoir fait je me souviens pas c'était quoi là, la, la, la femme mais je l'ai fait cette affaire là mais je me souviens d'être parti sur une diatribe de, contre euh, le, le travail mnémotechnique de Stanislavski j'avais déjà une opinion sur. Moi, j'étais très mamette à l'époque. Ouais, ouais, la... Ah, ouais, moi aussi. Ah, C'était le, 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 le pic de mamette dans ce temps-là. Mm -hmm. Fait que là, moi, j'étais vraiment là, dans apprends les lignes, vas-y naturel. Ouais. Mais en vrai, j'avais pas les capacités de faire ce que je, ce que je prônais. <laughs> puis je disais que moi, Stanislavski, puis Brecht, on n'en parle même pas. Là. Puis vraiment, je sais que Yves Morin a dit merci. Puis j'ai fait non, 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 <laughs> je continue mon éditorial. <rire> <rire> puis, que per personne n'avait demandé. Non, je pense pas. <laughs> mais à, deux ans plus tard, alors que j'étais en cours de musique euh, en train de déprimer ma vie, Yves me dit, tu sais, la meilleure chose que j'ai faite pour toi, c'est de t'interrompre dans ta vie. <rire> <rire> mais en, force, en même ça. temps, moi, je dirais, je trouve que le, ce qui est bon d'une école de théâtre, c'est que ça nous fait jouer. Pis, ouais. Mais le danger d'une école de théâtre, c'est, c'était ta personnalité, là, ce qui disait, fais pas ça. En même temps, c'est ce qui te distingue maintenant. T'sais. Ouais. fait que Le danger d'une école de théâtre, c'est... Euh, c'est de faut pas d'égaliser tout le monde un peu oui, mais ça. moi c'est ça faut que j'ai senti faut pas perdre sa personnalité ou si on la perd un petit peu il faut la mettre il faut parce qu'après ça cette personnalité là c'est ça qui va faire la différence entre toi et les autres ben puis oui. si, si tu sors de il peut y avoir un côté un peu comme tu dis là on se fait raboter là puis on sort tout un petit peu comme des robots euh, ouais, du mais, conservatoire ça, mais je pense sais, euh, l'époque à laquelle on a fait notre cours est différente de, de, de celle d'aujourd'hui puis moi, j'ai eu la chance... C'est comme si ma personnalité a été endossée par les professeurs les ça. plus forts. Ah! Tu comprends? Ouais. C'est ça que j'ai rapidement senti. Ouais. Donc, j'ai rapidement senti que... T'avais une liberté. J'avais une liberté, puis je pouvais un peu être... Euh, je pouvais être très libre. Faire, hey, ça, ça m'intéresse pas, respirer par l'anus, tu comprends? Fait que ouais. je pouvais comme... Euh, une une sorte disais. de rébellion m'acceptait. Oui, ouais. une rébellion acceptée. Je pouvais être qui j'étais parce que je sentais que j'étais soutenu par les, les plus profs. Forts. Ouais, les parce moi, j'avais dit, à, à, en première année, euh, on fait, tu sais, quand on commence, j'avais Gilbert Scott et Patricia Nolet, on fait le tas. Hein, mais oui, le tas! C'est un exercice, on a un mois pour monter un show, genre d'une heure. Fait que tout, on prend des, ça il, commence, il nous comme un, ça. Ils nous il mettent cours. cours, cours. Ouais, Ils il il nous, nous mettent un tas d'affaires, de pièces, tout ça. Fait ah, mais Gilbert, c'est parfait, ça casse. Mais Gilbert arrive. déjà le par Gilbert, il s'assoit, il salue à peine. Il y a une espèce d'immense dossier qui renverse littéralement ouais, sur le un sol. Tas, un C'est comme ça. Puis c'est le. Je le vois dans un mois. Ouais. Wow. Littéralement. Faites Et moi, de quoi une idée. On, a fait, on faisait ça, puis on répétait, puis on présentait. Puis tu sais, j'ai trouvé vraiment. Euh, tu sais, c'était rough, là. Mais ben oui. T'sais, puis moi, je leur avais dit, après un mois, j'avais dit. T'sais, moi, j'ai un problème avec l'autorité, je deviens fou, puis je avais dit, tu sais, mais c'est plat de jouer pour vous. Wow. Vous n'êtes pas un bon public. Vous êtes, <laughs> nos, vous êtes là pour trouver tous nos défauts. C'est sûr qu'on n'est pas bon, on devient stressé. Oh, ah, c'est quoi, quoi des fait dans avais -tu dans un le, dans un de théâtre, C'est quoi des notes tout. de prof quest ce que ça dit comme notes? Ouf. Ah ben, ben par exemple Mais quand le... de Gilbert quand tu avais le droit à un bon travail écoute même bon travail, travail. un oui. <laughs> bon ben, coup que tu as fait ta scène là, bon travail tout le monde est assis un peu à terre ou sur un ouais. cube là <laughs> moi c'est le de <laughs> jamais est-ce que, est que Gilbert à cette époque-là était déjà en, en position d'empereur romain sais sur le côté pas pour nous il y avait la pose un peu euh, lion romain tu sais ah, il était sur le pas. côté puis ils nous regardaient. Mais bon. tu sais, tu te lèves, là, tu vas au centre mmh. faire ta scène. Mais, mais des fois, c'est eux autres qui demandaient. « Bon, là, on aimerait ça voir, ouais. le, je sais pas, le, le Tennessee Williams. <laughs> » Ah, là, ben tu oui, le lèves, classique teint américain. C'est ça. Là, tu vas faire ta scène avec ta partner ou ton partner. Là, puis là, après ça, on va se rasseoir. Puis là, il y a comme un petit flottement. <laughs> Puis là, le prof <laughs> prend la parole. On va dire bon travail. Ah, non, ça non, quand t'avais un bon travail. Hey, écoute, là. bon travail de Gilbert là, c'était quoi comme... C'est un Oscar. Ouais, c'était. C'est que... comme ta semaine. Ah, ma... mais qu'est-ce ah, que ça, ça peut dire un prof qui peut faire mal ou qui peut faire du bien Qu'est-ce que ça dit qu -ce Mais c'est pas, pas les... tous les profs qui ont la même péd... qui sont des bons pédagogues, t'sais? Il y a des profs des fois qui, euh... ceci dit, dans une école de théâtre, c'est le talent est réparti inégalement, t'sais? Puis j'imagine que quand toi, tu, toi, t'es comédien dans la professionnelle. Tu vois, c'est un métier qui est difficile, tu sais, il y a beaucoup de compétition. Fait que rapidement, ils doivent se dire hey, lui, il ne sera, il, il sera jamais capable de. Ouais. Fait que il, mais ils il disent pas, mm -hmm. mais tu sais, c'est sûr qu'il y, y a des. Euh, des fois, il y a des, des, des préférés mm -hmm. ou des, des gens. Dont... Il y a des profs qui, ont, qui, sont, euh, qui sont vraiment pédagogues et qui vont travailler avec tous les, les élèves de la, de la même façon. Mm -hmm. tu sais. Mais il y en a qui ne sont, qui qui sont pas capables de faire ça. Fait que des fois, ça peut être vraiment. Dur. Ça peut être très blessant parce ouais. que c'est tu sais, ça ils vont et eux autres, ils se disent. Le milieu va s'en charger, mais moi je fais partie du milieu, fait que je m'en charge déjà. Il <laughs> <laughs> y a un okay. peu de ça des ouais. fois, tu sais, fait que c'est ça. Puis, veuve veux pas, a, a, Tu on, on a un petit côté couillon aussi comme élève parce qu'on se dit, euh, Hey, là, c'est pas moi qui. Euh, oui, oui, c'est jamais toi le premier. C'est pas moi qui subis les foudres en ce ouais. moment. Fait que tu fais ben. Euh, moi, je vais rester assis là. Je vais oh. écouter. Euh, mais il y a, y a un peu de ça. Ben, oui, Quelqu'un mais... qui se fait passer un savon parce que ça scène n'a pas avancé, il n'y a pas… » C'est quand même ironique parce que ça n'arrive jamais sur un plateau ou en répétition de théâtre. De ça, non, non. Vous de se faire défoncer, Vous faites de la mise ouais, en scène, vous êtes jamais un acteur, t'es pas bon, c'est épouvantable. Ben, il y a des, fait, non, des en... metteurs en scène qui peuvent ah, être… Oui, ça, j'allais dire, peu, au théâtre, ouais. à un moment donné, oh, oui, oui, ça, ouais. ça peut arriver, là, tu sais, ouais. qu'il y a une répète, là, tu sais, que c'est comme… Euh, tu sais, on, ouais, mais, mais... on approche du show, à un moment donné, il y a comme une coupe d'enchaînement où ça fait « Hey, comment la gang, là, c'est quoi… » Puis là, ça se peut que ce soit quelqu'un qui se fasse passer un petit savon. C'est ce Moi, je trouve que c'est sain. Je trouve que Mais, quelque chose. De... Sauf, que, sauf que la différence avec l'école de théâtre, c'est que c'est la, la récurrence, en fait. Mm -hmm. C'est qu'à un moment donné, quand, quand tu te fais passer un savon, parce qu'effectivement, dans ta semaine ou dans le processus, il y a un petit. Mm -hmm. un petit euh, tu t'as ramolli un peu, c'est une chose. Mais quand c'est répété, mm -hmm dans beaucoup de cours en plus, à un moment donné, ça ne se peut pas que ça ne t'atteigne pas. Ah, moi, c'est un peu puis ça. Es que... je, on est jeunes, généralement, quand on fait l'école de théâtre. Oui, en on plus. On ah, est, oui, pas, on on est qui on... dans la vie? Oui, on oui, on puis... veut tellement. Ouais, là, puis... oui. ouais. Ah non, <laughs> non, non, mais c'est vrai, tu... il y a un côté, là, ben, tu... Tu, veux, tu, veux, tu veux que je fasse ça. Il ben, y, 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 y a des ateliers <laughs> de théâtre dans, dans, dans le building, dans le couloir, puis je vois ça, puis ça crie, puis c'est investi. Ah oui, c'est une belle innocence. C'est très intense parce que tu travailles sur toi, tu sais travaille mm -hmm. sur toi, fait que c'est impossible de ne pas prendre ça personnel, c'est comme, c'est, fait que c'est très intense. Ouais. Vous avez commencé à collaborer comment, ensemble, professionnellement. Oui. C'est du Québec, non c'était Stampede en fait. Ouais. Ben, on n'a pas fait de variation sur le gazon. Hein, Avant. Wow. J'aimerais ça savoir c'est quoi ouais. variation sur le gazon ça, si vous un voulez un bien. Oui. C'est <laughs> un autre grand succès. <laughs> <laughs> Notre ami Rémi Pierre Paquin, il y, a un il y avait un festival, un festival de théâtre de, de rue à Shawinigan. à Shawinigan. Wow. Et là, la première édition. faut le faire, ça, quand même? La première édition. Rémi va trouver ça drôle quand on raconte. Ben oui. La première édition, il nous dit Hey les gars, on, on venait de sortir du conservatoire. Voulez-vous comme écrire un spectacle d'une vingtaine vous de vous minutes? So big, quand Et quand ça même. va être sur, dit, les gars, ça va être sur la grosse scène, il va y avoir des milliers <laughs> de personnes. Un nous, ça, on... demi. Pire moment de C'est la fois que j'ai vu Patrice le plus stressé un de ma vie. C'est-tu qui... ah Oui, à l'hôtel euh, universel C'est parce ce qu'on qu avait écrit des sketchs. Ça s'appelait ah. « Variation sur le gazon ah. ». Et c'était des, tous des sketchs sur le, le, le rapport entre le gazon et la pilosité. Hein? Ouais. Hein? Oui. Pourquoi? Hein, c'était sur le gazon, mais… Non, c'était sur le mais... gazon, ouais. mais il y avait un sketch où c'était avec la pilosité, ouais. mais sinon il y avait juste sais... mais c'était vraiment un truc sur le, sur le sur gazon. Le gazon. À, vrai. Vrai. À, à, dans un théâtre de rue à Chavignin, c'est juste rappeler le contexte, C'était ouais. niché. C'était ouais. <laughs> niché. Alors, Donc, on, on a écrit <laughs> aussi, on n'avait pas répété tant que ça. <laughs> on savait notre texte, euh, le truc, ça, on avait des cues quand même, on avait des cues précis, il y avait, avait comme des Jean-François Rivard avait fait avait fait des euh, on avait un, un aspect vidéo waouh oh. oui il y avait des projections oui, c'était ambitieux hein, c'était ça <laughs> grosse scène là. et là on arrive hey, là, on je... arrive il me semble qu'il y avait comme une petite laisse de tourbe en avant là, ah, genre euh, quelques rouleaux non, mais, mais juste c'est que les techniciens c'était pas que des professionnels <rire> tout le monde était du même niveau c'est parfait fait on n'a a pas on a pas fait de on il n'y a rien qui marchait on n'a pas fait de, 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 de général on n'a pas fait de Q to Q et là, on arrive le soir, et là, il y a vraiment beaucoup de monde. <laughs> et on voit un peu comme de l'incompréhension, du, du doute. Nos dans ch... de nos on a des micro qui ne marchent pas, main une chic. réplique sur deux. Euh, il se met à pleuvoir. Moi, oh! je me souviens que, à un moment donné, j'allais un petit peu en coulisses, puis il y avait des choses que j'avais écrites, j'avais imprimé parce que je ne les savais pas <laughs> par cœur. Et là, la pluie tombait, puis là, j'avais de la misère. parce que l'encre. <laughs> Hein, c'est un chef-d'œuvre, ça? Oui, ah, c'est parce que Ça, Mais ben, tantôt, j'ai évoqué euh, Place de Ville à sainte fois. Moi, ouais. je me souviens de Place de Ville, c'était un autre spectacle qu'on avait fait. Puis c'était un peu ça. Puis il y avait des gens, t'en souviens-tu? Dansez-vous, gang de pif! Ah, <laughs> on, se faisait, ouais. on se faisait gueuler des affaires. C'était <laughs> pas un public en délire. <laughs> fait j'avais comme un peu des. Tu sais, des. En ça, de. de... Ce qui était affreux aussi, c'est qu'on savait qu'il fallait refaire le spectacle le ah! lendemain. Oh, ça ça, il y avait deux représentations. Oh, avait... Jean-Philippe était venu nous rejoindre, Pearson. Là, il, avait... il avait dit Ok, moi, je vais faire votre régie. Il avait comme essayé un peu de sauver, de sauver le... le navire <laughs> du naufrage. Et finalement, est-ce qu'il y a eu un deuxième non, naufrage naufrage. <rire> naufrage. <rire> Bisse. <rire> Bisse. La rencontre avec le public ne s'est pas produite. Ah non, non mais... le... C'est quand donc, même des belles anecdotes non, le malade. Type de début de carrière. Ah, les pires choses, c'est les meilleures anecdotes. Finalement, ça, ça a été donc, par la suite avec Stampede. J'ai ouais. ouais, écrit une pièce de théâtre quand je suis sorti du conservatoire. Puis il y a un personnage qui s'appelait Pat, l'autre s'appelait Frank. Puis euh, je suis allé voir Claude Poisson. Ouais. Mais c'est Maxime de nommer. je pense qu'il connaissait Claude. Qu ouais, mais moi, nommer. Maxime, c'était mon co-là. Ouais, c'est ça. Puis moi, je venais de travailler avec Claude comme, euh, au conservatoire ouais. la dernière ouais. année. Ouais. Fait que là, c'est le même. Claude a fait… Hein, de, hey, ding oui, ding on va ding monter ding ça. Okay. Fait C'est quand même nice, en ça. Réel, tout ça. Ouais, ouais. à l'espace Go. Ah, oui. ah chouette! Ah, ouais. En plus! Dans ah, la salle en arrière, parce que Claude était le boss du petit à petit, puis ils étaient là. C'est là bon, que se faisait leur show. Fait que là, on a joué le temps, là. C'était très euh... c était, c était bon. C'était bon. C'était ma scène d'audition. C'était hein, vrai? vrai? Oui, parce <laughs> qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu la scène avec Foxy. Là, ouais, la... euh, oui, l'auge, oui, l'autographe, oui, oui. ouais, c'était ma scène d'audition. Puis, comme, ouais, c'est ça. <laughs> c'est gênant, ouais. mais euh, ouais, c'était. Ma... À, à ce jour, je pense que c'est une de mes meilleures performances. Que... Pour vrai, je te, je te jure. Je te... Mais on, on Puis... a... il y a quelque chose dans nos castings naturels ouais. qui se Puis, tu vois, la scène que j'ai travaillée avec Gilbert. Euh, première session, c'était tes scènes de Québec-Montréal. Pour vrai? Oui. Ouais, ouais, euh, ah oui, ils se sont dit, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont vu un une petit une côté Intello qui ouais. ouais. comme les tourneaux. Ben, <laughs> il, 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 non, moi, je n'osais jamais là la... Non, moi, ils, <laughs> Attends, ils me comparaient à Robert Gravel, mais intellectuel, pour ce que ça veut dire. Okay. Oui, hein, c'est pas mal. Ben, je n'ai pas, pas ouais, compris ouais. exactement. c'est c'est lui qui a écrit la LNI. Oui, ben, ouais, mais, ouais. Euh, mais non, c'était comme. En fait, ils m'ont empêché de faire tes rôles. Parce que dès que j'arrivais avec des, des propositions. Ils ouais, Ce qui faisait que je faisais genre des astuces d'affaires que j'étais pourri dedans. <laughs> ben, dis-le, le nain, Le nain le... du... hydrocéphale, ça, j'ai fait ça. Ah! Non, non, mais ça, c'est un, un. OK. <laughs> okay. Ben, je l'ai transformé en numéro d'humour. Mais en gros, c'est que qu'en troisième année, un des exercices publics, on commence avec Carl Béchard. On fait une affaire qui s'appelle Trio Fedo. Puis c'est Carl. Euh, dans ces années, mettons TNM. Euh, Ubu? Ouais, euh, non, God euh, God. en fait, malade imaginaire. Tu sais, Carl, il, Car il maîtrisait, mais encore à ce jour, maîtrisait parfaitement ben cette ouais. espèce d'humour très ouais, précis. Il y a un acteur qui se transforme beaucoup. Oui. Puis il, ouais, ouais, ouais. il est très axé sur le, le, la précision, ouais. euh, à, à la fois de, de la diction, mais aussi comique. Ouais. Fait que Fedo, c'était comme parfait. Puis c'était une, une petite trilogie de courtes pièces de Fedo. Puis pour vrai. Ça a vraiment pogné. Comme, les salles étaient pleines. Puis, en fait, on s'est comme. Ça nous a positionné comme la, la cohorte à, à surveiller un petit peu. Wow. Pour, ouais. Puis, c'était quoi ton rôle? Et là, le deuxième spectacle, en fait, suite à la Triomphe de Fédo, <laughs> Raymond Cloutier arrive avec euh, une. avec Philippe Sollevilla. Ouais. Qui euh, il a travaillé avec Robert Lapage, je pense. Oh ouais, et ben, euh, nous autres, on le connaît. Là, ouais, à Québec, et, euh, ouais. et donc, Philippe, à cette époque-là, je sais pas si c'était dans sa démarche personnelle ou artistique, mais il arrive avec une pièce espagnole, parce qu'il est d'origine ouais, espagnole, ouais. qui s'intitule « Divine Parole et, ». Euh, et donc, cette pièce-là, en fait, avait la particularité d'avoir été écrite en 1910… Euh, non, en 1908, en Espagne, puis d'avoir jamais été jouée, ever. Ah. Et le « nous », c'est à Lyon. Ah, c'est beau. ben c'est… Mais peut-être qu'il y a une raison. Ben une voilà! <rire> <rire> Exactement! Et là, je me souviens que, en fait, l'histoire, en gros, c'est que c'est dans l'Espagne miséreuse. Euh, la meilleure Espagne. Ouais. Il <laughs> y a une madame qui promène son, son nain hydrocéphale de village en village. Puis c'est comme une attraction. Puis là, les gens donnent de l'argent. Puis là, le nain, il meurt. Puis là, les gens, dans le fond, la pièce, c'est à qui va aller l'héritage et qui a tué le nain. Ouais. Puis le nain, hydrocéphale, il fait juste des. Euh, ah, Puis t'es dans un chariot avec un casque full face en jute. Une minute de foire. Et, et tu mesures 6 pieds 2. Et moi, je mesure 6 pieds 2. Et on me confie le rôle du nain. aucune réplique dans En fait, non, c'est pas vrai. L'histoire, c'est que j'avais une réplique. C'est que c'était moi qui tuais le nain. Fait que je tuais mon propre rôle. Ah, Puis je me souviens d'avoir lu la pièce, la première lecture. Mmh. Philippe traduit la pièce lui-même. Puis j'ai fait. cest que j'ai ici, ce théâtre là C'est quoi ta réplique, je Laquelle Ta réplique. Euh... Oui, mais t'as pas même une seule réplique où tu parles. il y a aucun mot audible Ah oui, non. En fait, quand je me tuais... Oh génial. Quand, quand je tuais le, rôle, le personnage du nain, euh, je sais pas comment l'expliquer autrement que... Ben, je vais le dire d'un mais, mais mais il voulait vraiment comme un, un gay flamboyant. Mike Fick. Ouais. Fick. En répétition. <laughs> parce qu'il y avait... Le personnage, en fait, il servait à rien sauf tuer le nain. Fait Pour y donner une petite histoire il tripait sur le bad boy, mais, mais c'était pas vraiment dans le... La, la trame servait à rien, mais pour lui ouais. donner une, un temps, soit plus d'humanité, il sur le bad boy, euh, qui est comme un peu le, le, le pimp. Euh, c'est un bad boy en Espagne qui, qui va miséreuse, mal en puis Dans le fond, lui, la mère du nain, trip sur l'espèce de pimp ouais. bad boy, puis ouais. moi aussi, fait que ouais. je suis ouais. en conflit contre la mère, c'est pour ça que je tue le nain, pour comme me venger, parce que... Et qu'est-ce que tu dis je me souviens pas qu'est-ce que je disais. C'est c'est quoi que je dis? peut-être pas là. Non, mais c'était comme, ah là là, tu sais, je parlais comme ça. Ah, génial. Ah oui, là, je parlais comme ça. T'es homophobe. Non, 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 vraiment pas. Là, on est en répète. Puis là, tu sais, il me dit, non, non, mais je voulais plus comme ça. Puis là, tu sais, je suis comme, t'es sûr, Philippe? Oui, oui, ça va donner une belle couleur. que les profs n'ont pas dû aimer ça. Euh, ont, oui. En fait, Patricia Nolin m'a dit avec beaucoup de, de justesse, euh, elle <laughs> m'a dit <laughs> c'est un miscast. Ah! Puis. <laughs> es pas, toi, le gars de CP2, t'es pas un bon nain? Je suis pas un bon nain, puis apparemment, mais l'affaire la, la, encore plus pour rajouter une, une étape, c'est que là, je suis en répétition, puis tu sais, tu parles de mime, puis là, tu sais, ça fait. Trois, deux ans et demi que tu fais du théâtre le plus proche de toi possible, ou ouais. ouais. tu veux plus près de tes émotions. Puis là, rien à une affaire que, genre, niveau, je faisais ça en impro quand ça allait mal. Ouais. Je sortais. Ah! Ben ouais, c'est ça. <laughs> Puis le personnage, c'était tu sais, à l'époque, là ça reste encore acceptable. Le personnage du gif Elle, flamboyant. Pas, je suis pas certain. J'étais là moi, à cette époque-là, mais c'était pas super acceptable. Non, non mais, mais, mais <laughs> c'était moins problématique qu'aujourd'hui. On va dire ça de même. Puis en répète, je me suis dit, je pense que ça va pas être bon. Mais là, arrive le premier essayage de costume. <laughs> Ils mettent, tu sais, les souliers qu'on utilisait en tragédie, là, les grosses plateformes, peintes à cacane rose, avec des pantalons moulants jaunes rayés rose, puis un petit chandail cropped up en laine jaune, rose, un peu harlequin, puis une petite moustache, tu sais, genre d'acteur français des années 10, les cheveux lichés, puis un petit chapeau genre cubain, mais avec des grosses plumes. Puis là, je fais, je pense à être trop, là, les amis. Philippe. Non, 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 ça va être super, inquiète-toi Les, inquiète -toi, les, les agences de casting, ils voulaient pas. Te, Personne euh, m'a appelé. Ils voulaient pas. Non, mais c'est un cas de. Ça, c'était votre deuxième show. C'était le, le show, là. Ah, là, le, là. Le, le, là, tout le monde va venir pour non, nous parce repérer. On à surveiller. Ouais. Vous la à surveiller. Fait que là, tu as Lorraine Pintal. Ah, tu non. le sais que Lorraine Pintal est dans la salle. Puis là, tu arrives. Ah, je me demande ce que le <laughs> nain. Puis là, tu te dis, je vais me rattraper avec l'autre. Ah oh, non, mon autre rôle, c'est. Euh, <laughs> fait que non seulement j'ai le pire rôle qui meurt après 4 scènes, parce que l'histoire, c'est sa mort. Mais en plus, je tue mon propre rôle. Fait que ça a été bon. euh, une anus horribilis en ce qui ouais. me concerne. Ben, la Mais la troisième année en plus, c'est l'année où on fait des exercices devant le public. Ben oui. Là, il y a des gens de l'industrie qui vit. Fait que là, ça transforme un peu le... la dynamique. Je suis allé une ah ouais. fois voir un show d'école nationale de théâtre et c'était incompréhensible. Et on il, y a, miné... il y a tout le temps le show par rapport. à Il y avait la une main. femme dans le noir qui tournait sur elle-même pendant cinq minutes puis après on m'a expliqué que c'était un avortement. Ah, C'est ah. comme ça qu'ils ont montré que tu as un abordé. Mais... Ça t'a donné aux... le goût d'aller voir plein de spectacles. <rire> <rire> mais non, c'était le fun. Mais non, en fait, non. Ça, c'était épouvantable. Oui, oui, ça, je pense que toi qui oui. Ça, mais après ça, on a fait 10 courtes pièces avec Serge Mandeville, qui, 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 qui était déjà dans le tout court, en fait, qui était une adaptation. Puis ça, c'était correct, là. mais, mais c'était. C'était pas. C'était. pas. C'était pas une belle expérience, je dirais. C'est quoi les baboutissements des invincibles? Ah ouais. C'est euh, tu sais quoi les bains? ben j'ai rencontré Jean-François Rivard. Mm -hmm. Qui est le qui réalisateur. Qui a essayé de sauver le, le numérique euh, intermédiaire à Shawinigan. <laughs> oui, oui. c'est ça. Oui. oui, ben on, on s'était rencontrés là, mais je pense qu'on s'était rencontrés avant. Mais euh, ben, tu sais, on a fait Québec-Montréal. Ouais. Puis après ça, là, je connaissais Ricardo. Ricardo faisait de la pub. Il m'avait invité dans un pitch de pub. Qu'est-ce que je fais là? Puis là Jean-François Rivard était là. Non, c'était pas un pitch de pub, c'était l'affaire qu'on voulait faire. On était allé au resto asiatique. Ah, c'est vrai. On voulait un... faire le show babillard. babillard. Ah oui, on voulait proposer ouais, un show de On voulait gens... proposer un show genre. C'est une idée qu'on avait eue d'escrace joint. Euh... Un show de sketch. Okay. C'était comme un Babillard, en ah, Puis oui, que... là, on s'était comme réunis toute une gang, puis tout était dans le fond avec Rivard. Ouais. Fait que, babillard a jamais vu le jour, mais ah, eux autres, ils ont comme cliqué là. ouais là, on, or, on a comme Jean-François ah, c'est il y avait eu l'idée, quatre gars qui laissent leur nom en même temps, je dis ah, il y avoir des mondes bleus. On avait <laughs> juste ça. Avec ta contribution aux invincibles, c'est les mondes monde bleus. C'est ça. Puis là, on a juste dit ça, puis après ça, c'est Jean-François, euh, plus tard, euh, genre, euh, peut-être un, je sais pas, des mois plus tard, qui me dit « Hey, t'as-tu notre idée? » Lui, avait, moi, je pensais même pas, je voulais même pas faire de télé, je faisais du théâtre, puis, puis il m'a dit, j'étais approché, lui, il avait fait des courts-métrages, mmh. puis il y avait un court-métrage qui avait gagné, genre ouais. le… le... Moi, je je m'en souviens, c'est euh, l'histoire. Cuproco. C'est-tu hein, sais ben l'histoire c'est un homme et une femme qui couchent ensemble, puis l'homme se... est dans le corps de la femme il la Non. C'était pas, pas, pas celle-là ça 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 Switch. Ça, c'était Switch. C'était Switch, Il y a Cuproco, puis en tout cas, il avait gagné comme le génie du meilleur court-métrage. Avec Cuproco, je pense. En tout cas. C'est ça. Mais c'était bon. C'est vraiment un bon flash. Là, il m'avait rappelé il y a des productrices qui voudraient que je développe une série. Tu tu notre idée. Puis au début, moi, je suis embarqué là-dedans, juste vraiment juste parce que c'était plus payant, tu sais, c'était comme ah on va écrire un épisode puis on a mais t'avais déjà ouais, fait que, Cheat », tu en fais Pour hein, ceux hein, qui savent pas écrire écrit la pièce. La ah, pièce. Oui, oui Mais pour ceux qui ne savent pas écrire de la télévision qui n'est pas à l'écran, c'est quand même t'es payé quand même. Fait que oui oui, oui. Vie Quand t'es en développement, as quand même c'est quand même Une déjà part. Plus payant que d'écrire des pièces de théâtre là. Même, vrai, même en... mais pour vrai, Cheech, je veux dire, ça a été euh, marquant là. Oui oui oui. Oui et oui, puis on, ça ça a été. Et tu sais, puis en plus on l'a joué beaucoup. Tu sais, quand en tournée. Succès, là, ça, là ça devient plus. Oui, On l'a joué vraiment beaucoup. Pendant ça, Chich, ça a commencé quand C'est où vous étiez ben, On a fait Stampede. Oui. Succès. J'avais écrit succès. aussi. En fait Stampede puis les j'ai écrit un peu en Stampede d'abord mais tu sais ça s'est overlappé. Fait fait là, on a fait Stampede avec Claude puis Cheech euh, euh, là, c'est encore Maxime Denommé qui est allé la porter. Qui était, comme, qui était comme chum déjà avec ouais. Jean-Denis, qui ouais. était le boss ah. d'Alcorne. Là, mon ami ah. Frédéric Blanchette, avec qui j'avais fondé une compagnie de théâtre, j'ai dit hey, Tu pourrais faire la mise en scène. Puis là, ça a marché. Fait on a fait Cheat. puis à un moment donné, je me souviens, on, faisait une tournée, on était en tournée pour Stampede puis pour Cheat en même temps. Ça, c'est exceptionnel. Oui, ouais, ouais, c'est ouais. rare, ça. Euh, Mais une... Cheech, c'était vraiment. Euh... Ah oui, ça, c'est. Ça a été un. Un vrai hit un... théâtral. Ben ah, oui, à fond. C'était vraiment. C'était un, un spectacle qui était. Vrai. La pièce était le fun. Fred Blanchette avait fait une mise en scène vraiment le fun. Puis on était tous des amis. C'est euh... un beau cast, là. Ben c'était oui, le fun avait à faire à la Lica. Fanny Malette. Catherine euh, Fortin. Catherine Fortin. Fanny, euh, Max, molette. le nommé, Max Godet, François puis moi. Ouais. C'était Fred qui a fait la mise en scène. La, la joke de Careless Whisper, là, ah oui, ça, ça, ça je la ris encore <laughs> des fois. C'est ah oui, que c'était ton perso. En gros, l'histoire, c'est que la scène, c'est que t'attends une prostituée, oui. puis t'es pogné. Pis... À suicide. As fait une oui. C'est ouais. <laughs> pas drôle, mais, mais c'est parce que dans, 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 mais je me, mais je me souviens de ce moment-là où t'es tout seul, puis tu sais pas quoi faire, puis tu mets ça, mais dans le tapis, là. <laughs> Juste pour. Mais je me souviens que. Mais ça, tu vois, si je peux me permettre, désolé, hein, je parle beaucoup, là mais je veux pas. Mais, mais, mais ça, a, ça a été vraiment fondamental pour moi, Cheech. Parce que mon père, tu sais, il, il, il m'amenait toujours au théâtre depuis que je suis petit. Puis il m'amenait au TNM. Tu sais, j'ai eu la chance donc de voir mm. les grands classiques du TNM. Et, euh, et, et Cheech. C'est vraiment la première fois que sur scène tu voyais quelque chose qui euh... que j'avais les références, un langage ouais. que je connaissais. C'était non, puis c'était du... des jokes que je comprenais, puis c'était pas un truc qui me faisait sentir inférieur. Mm -hmm. C'était un truc qui était complètement diapason avec ma sensibilité puis ma réalité, mm -hmm. puis ça a comme complètement changé mon mon regard un sur euh, le théâtre. Puis après ça, ça a ouvert un monde de ah, c'est ça, en fait, faire du théâtre. Parce que moi, c'était le répertoire. C'était le côté, euh, ouais. ben, TNM, du CEP, c'est des grandes pièces. Ouais, classique, Un ouais. côté inaccessible, en mm -hmm. fait. Mais Cheech. En plus, comme c'était à Valley Field que j'ai vu ça, puis j'étais encore au secondaire. Puis ah, ça, c'est une salle pas facile. Pas facile. Non, les ils l'ont la changé. L'allée hein? euh... de quille. Ouais, <laughs> ben... L'allée de quille, c'était comme. C'est un, un tunnel. C'est un, un, un tunnel. On dirait qu'on oh, est, oh, est, est, oui. est... Est, est en Union soviétique. Oui. C'est tough. Puis en humour, elle n'est pas facile. Elle est réputée. À une époque, à Québec, il y avait une salle d'humour. Ils ont pris un ancien cinéma, puis ils ont décidé de faire une salle d'humour. Ils l'ont viré de bord, mais c'était. Jouer dans des couloirs, Mais en humour, c'est vraiment pas facile parce que c'était tout le temps coupé d'une Mis. Mais tu sais, c'est ouais. la salle où j'ai appris à faire du théâtre, c'est un peu une salle émotionnelle, là, ouais. mais, mais, mais c'est une salle que je reconnais moi aussi, je... c'est jamais facile d'aller là, mais, mais ouais, ça a été une espèce d'éveil euh, litté... ouais, vraiment littéraire et littéral, puis humoristique ouais. même, puis, euh, puis en fait, ouais, de là et, et né, euh, c est né, c'est vraiment la, la graine dans ma vie qui, qui, qui a comme... Germé. Ben, ouais, qui a germé ouais. puis qui a donné ce que ça donne aujourd'hui pour le meilleur et ah, pour ben le pire. Mais c'est vrai, mais c'est cool. pour ça que je te, je te remercie. Ben, je vous remercie, mais non, non, particulièrement François, parce que ça a été un, un moment... Euh, c'est très gênant, là, ce que je suis en train de faire, <laughs> mais... Puis je m'excuse si ça te met mal à l'aise, mais c'est vrai. Non, ça ça fait vraiment plaisir. C'est un, un, un moment d'espèce, d'une espèce d'épiphanie, une, une révélation de, OK, il y a moyen d'être moderne, d'être drôle, mm -hmm. de faire des vrais bonnes jokes, pas des jokes de malade imaginaire, là, mm -hmm. que... <laughs> <mais> <laughs> Tu sais être drôle pour vrai pas faut rire ouais, parce que ouais. la convention c'est que c'est une blague ou ouais, tu comprends que... mais, mais ouais. c'est parce que Molière c'est pas vrai que c'est pas drôle c'est drôle mais faut non non faut comprendre les codes quand tu comprends les codes puis que tu comprends tel que c'est les personnages l'articulation narrative ouais. Ouais, ouais. et tout ça tu ris tout le monde qui a accès à ça, Exactement mm -hmm. alors que Cheech je me souviens j'avais puis à cette époque-là j'étais en plus en, un peu en tension avec mon père fait que j'étais dans un refus total de tout puis là, ça, ça a été un espèce de Mon père avait-tu aimé ça? Mon père avait aimé ça. Okay. Mais mon père, en fait, il est très ouvert. Euh, okay. il, en, 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 il aime tout, sauf le podcast. Mais en même temps, <laughs> tu sais, ouais. on, on l'a fait en tournée. Puis c'était. Il y avait un mélange dans tout ce que je fais il y avait toujours un mélange de tragique puis de ouais. drôlerie. Mm -hmm. là. Mais moi, j'aime ça, ce mélange-là. Puis ça marchait bien à certains endroits, mais à d'autres endroits, ça marchait moins. bien. Oui, oui. Il y a des, 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 des a... places où ils ne pas les jokes. Là. Ils, ils pognaient comme le. Le niveau de tristes, ouais. La prostitution. Ça, c'est dur ouais. dans ce temps-là. Parce que ouais. moi, j'aime ça, ça quand les gens trouvent ça mm -hmm. drôle. Quand les gens pognent les. Ouais. Il y a des fois où. Puis d'autres fois, où... Les... souvent quand on jouait devant les jeunes, les, gens riaient, les jeunes riaient beaucoup. Mais ben oui. Ils oui. pognaient le, comme le deuxième. t'explique Ce que tu expliques, on l'a vécu beaucoup aussi quand tu as fait l'autre show là le... Texas? non la euh... fin de la sexualité ah oui la... ah mais ça c'était drôle pas ça. non mais moi la fin de la sexualité je te jure encore à ce jour c'est une de mes expériences théâtrales les plus fun ok c'était bon quoi fun. Ouais. mais on, une on a autre fait ça on a fait ça je sais plus quelle hey, une pièce c'est pas une grande pièce là. non mais on avait ça. déjà non, arrête c'était drôle c'était weird puis j'ai écrit ça le but c'était je l'écris puis Dans six mois, on la monte puis euh, avec notre argent. C'était euh, vraiment autogéré dans la petite nouvelle ouais. zone. C'est ouais. nous qui avons la inauguré petite corde. la nouvelle petite licorne. Ouais. C'était ouais. le premier choix à jouer là. C'était hyper autoréférentiel en plus. Hein. C'était tellement le fun, hein. C'était tellement le fun. On était tous des acteurs. T'sais, on s'aime tous C'était une belle gang. Émilie tu sais, Bibo. Émilie Bibo, Catherine, Catherine Anne, Patrick Anne, Drolet, Drolet ouais. François, moi, c'était moi. La, la, la joke, c'était une couverture du Time de George H.W. Bush. Je hey, t'en souviens. Ben oui. Puis c'est là que tu révèles que euh, tu as, as acheté une Volvo. Ça commence en faisant une espèce la de Volvo biographie. Que pu. Il l'a plus ah ouais? depuis là. Ouais. là, là. Il l'a gardé aussi longtemps que ça. Je, je disais que j'avais une Volvo. Oui, que grâce rire, à la télé. Moi, ça, ça m'avait fait rire, tu vois. Mais moi, ça, là, c'est je te jure, un réel plaisir. De jeu. T'sais, ouais. man, je me souviens, tu allais des... le théâtre d'été. Ah non, c'était le ben oui, théâtre je... amateur. tu sais, Blanchette tu acheter chez Ikea des chaises rouges, man. On avait des perruques poches, là. Vraiment, non. Non, poches. mais c'était drôle, C'était ça le but. C'était ça le but, mais c'était tellement le fun de ne pas être stressé. Là. On jouait, puis c'était juste, on s'en va défendre cette affaire-là. il y a des soirs, c'était le bide. Hey, le, oh ouais, sérieux, le est... monde, il En fait, est je compare super... ça à un humoriste. Il y a des ouais. soirs où ça ne marche pas, puis il y a d'autres soirs où ça marche. Et nous autres, c'était vraiment. Il y a des soirs, ça riait pas. Pendant <laughs> Puis toi, c'est pas comme Chich où, où tu peux te raccrocher sur le, le, le dramatique. Non, là, oui. y <laughs> il y avait pas beaucoup de. Il y avait pas beaucoup. Puis on était déjà, déjà connus. Tu comprends ouais, ce que je veux ça. dire? c'est ben oui. tu sais, des fois, c'est un peu comme les humoristes. Tu sais, quand tu rentres à la scène, tu es fuck all connu, il, 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 ouais. le public t'attend un peu. Il faut qu'elle soit bonne, la joke. tu sais. Tandis que quand tu es plus connu, il y a déjà un. Ah, Chris, il, lui, il me ferait rire. Ah, il y a, il a rien de mieux que de savoir. Ben, c'est ça, ça, rien <laughs> de mieux que de savoir. Mais là, écoute, comme, là. Hey, il y a des soirs c'était il y a des soirs c'était comme un show rock les, mondes, il les suffit... gens trippent mais des fois, fois mais c'est bon c'est pas si c'est en humour vous vivez ça mais euh, vous faites des shows de, de stand-up Oui, ouais. tu sais des fois tu sais quand c'est une... disons tu es, es devant 100 personnes tu sais il suffit d'avoir trois quatre bons rieurs ouais. qui, qui vont un peu dégourdir des fois c'est trois personnes qui peuvent mm -hmm. autoriser en... en fait oui c'est ouais. ça puis des fois quand ces trois personnes là ne sont pas là c'est comme... Euh, Ou des vrai... fois, c'est l'inverse. Nous, en humour, des fois, il y a des gens bizarres qui mettent une ambiance horrible. Ah oui, qui ah ouais. ripent trop. Ah Pas qui qu ripent trop, mais ils une... sont bizarres. Puis ils vont... Va... Il oh, y a quelqu'un de mal à l'aise, moi je suis mal à l'aise. c'est génial. Quelqu'un qui parle trop. Quelqu'un qui parle trop. c'est que... super. Ça c'est un luxe quand le théâtre est euh, ouais, par ouais, rapport à l'humour. Vous parlez à ouais, vous. Ouais. Des hecklers. Ouais. Non, 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 c'est pas des. Non hecklers, mais nous, non, des, des fois ils des sont... chums. Ouais, des fois ils sont juste. J'aide le show. <laughs> non mais j'aide <laughs> le show comme te dit. Ils sont, sont juste amusés. Comment ça va J'ai répondu comme un mot. Ma journée s'est passée. Mais c'est pas nécessaire. Ouais. Des fois, des fois. moi ne pas la convention. Mais nous quand ça va au théâtre, les gens boivent. Ouais, en plus. Ça, ça existe plein de choses. Ouais. Les Invincibles, fait que ça part comment Comment vous, vous avez le go, là, finalement là? Euh, ben, Avec Jean-François, on s'est mis à écrire, puis ça a été vraiment long. Là. Ça a pris quatre ans. On a déjà quatre ans Quatre ans, on s'est promené. on était à TVA, ça ne marchait pas, on était à la TQS, ça s'appelait TQS. Yeah! Ça n'a pas. pas marché. Étonnamment. Hein? Puis finalement, c'est euh, Mario Clément, qui était le directeur des programmes des, des la ouais. à Radio-Canada, qui. Euh, qui euh, ben, Je pense que le, 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 le succès de Québec-Montréal avait aidé, parce que même si les deux projets sont vraiment. Euh, Ce pas les mêmes auteurs. Mm -hmm. mais, mais il y avait. avait C'est cousin. Il y avait comme une gang de jeunes acteurs. Puis. Euh, euh, mais vous êtes vraiment arrivé comme une gang, en tout cas. Moi, je, ouais. moi, je me souviens que c'était ça la perception qu'on avait. Oui, mais des fois, ça, c'était le travail médiatique. C'était comme, ouais. à un moment donné, on dirait que c'était Ricardo qui avait tout écrit. Ricardo, tu sais, ouais, il n'y a rien à voir moi, dans les investissements. Non, vois, non, les gens pensent que non mais c'était beaucoup ça. Moi, j'étais sûr que tu avais écrit tes scènes. C'était tellement proche de tes personnages. c'est Jean-Philippe Person qui a écrit la part de dans laquelle joue François. Ah ouais. Mais ça, c'est drôle. Mais ça, là. la Gang de Québec, ça a été un peu médiatiquement, c'est un peu exagéré. C'est ça. On a commencé. <laughs> oui. Non, mais c'est vrai, vrai. vrai. Des fois, ben, ben oui, j'ai travaillé une fois avec Ricardo, c'est Québec-Montréal. Ouais, ouais. Mais sinon, puis, tu sais, Ricardo, il n'a pas rapport avec les investisseurs. C'est ça. Mais... Fait que un c'était un peu de la, j'oserais ouais. dire de la paresse. C'est comme, c'est la Gang de Québec. Oui, mais attends ouais, un peu. Là. Il y a comme, ouais. ça, ce projet-là, ouais. c'est eux autres. Pis, euh, ce projet-là, c'est eux autres. Mais C'est vrai, vrai comme... qu'on était des amis. Dans mais c'est ça, on est des amis. Fait c'est ça qui a foqué. Puis, il y a du monde qui jouait. Dans, Sur, ouais, dans ouais. toutes les. Ou en tout cas dans plusieurs des affaires. Fait que ben que dont peu, toi, en fait. Ouais. Ben, c'est Parce que quand on a fait les invincibles, vous avez fait Horloge Biologique. Ouais, c ah sûr, oui, c'est ça. Ah oui! Pierre-François puis Patrice jouaient dans les deux. Fait que là, c'est sûr que. il y a quand même, même si je trouve que les univers sont vraiment différents, c'est un ouais. même écrit ça, mais il y a quand même des thèmes qui reviennent. Ouais, ouais. C'était les trentenaires. No en ah ben, fait, c'était ouais. un côté trentenaire no à ouais. l'époque. Ouais, je veux dire, ouais. ça, ça mettait cette la réalité des trentenaires no jeunes ah ouais. professionnels euh, de l'avant. Je ne plus à la télé, ce qui est fou. Ça plus. Ben, ben, déjà, je pense déjà, quatre gars euh, hétérosexuels <laughs> blancs. Ben, ben, euh, il y a eu les mecs, ouais, pas y a eu les mecs ouais, récemment, ouais, les mecs. Euh... Ah oui, mais c'est des 50 ans. C'est vrai, c'était pas des 30 années. Années. ans. Oui, ouais, mais peut-être, ouais, j'allais dire, mais peut-être qu'il n'y en a plus parce qu'ils ne regardent pas la télé. ce moment, les shows qui marchent. L'action avec mes parents, ça marche parce que ce public-là regarde encore la télé, tandis que je pense que les jeunes sont un peu ailleurs. Oui, mais en même temps, je veux dire... Si tu parles pas de quelque chose, en ils fait. Plus le câble. Moi, je me, ouais, je me dire. sais Donc, que. Mettons, hey, on va poser la question, Raoul. T'as-tu, un moyen d'écouter la télé chez toi Non. Mais mais moi, je me souviens que je vous regardais comme mes grands frères, tu sais. C'était comme un côté. Il y avait un côté aspiration. Il y avait un côté. Ah, oh, j'ai hâte que ce mmh. soit moi aussi. En tout cas. Puis je sais pas si aujourd'hui. Mais ça parlait d'une certaine façon de moi ou d'aspiration ou de quelque chose. Puis. Puis, je veux dire, c'est un, un problème fondamental, mais si tu ne parles pas du sujet à qui tu t'adresses, ce n'est pas, pas clair comme France que je Non, non mais je comprends non, mais... ce que tu veux dire, mais euh, en fait, c'est... Si... Il est trop tard. Ils n'ont non, mais... plus l'appareil pour voir. Ouais. C'est très triste, c'est dire, ont... Non, mais attends, là, euh, on peut en parler deux secondes. Là. Okay. Ils ont quand même un écran. Tu regardes des choses sur cet écran-là, quel qu'il soit. Ils peuvent s'abonner à tout.tv. Ils peuvent s'abonner à tout.tv. Puis, je veux dire, non, mais c'est vrai, ouais. il, il, il il... ce n'est pas qu'il n'y a pas de consommation artistique. C'est qu'en fait... Ça. C'est qu'en fait, quand tu regardes les propositions, moi, je comprends totalement. Même moi qui a 36, je veux dire, tu sais. C'est quelque chose qui, me, mettons, me concerne. Ça commence à être euh, à 36 ans, fait que j'imagine même pas 20 ans, là. Mm -hmm. Dans le temps des Invincibles, il n'y avait pas non plus beaucoup d'émissions qui s'adressaient pour... Jean-François puis moi, on s'est dit, écrivons un, pour... un show qu'on aimerait nous voir, mm -hmm. puis qui n'est pas... Avec des gars qui ne sont, sont pas super beaux, puis qui sont pas euh, formidables, puis qui ne qui sont pas riches. Pis... mais Je pense que c'est ça, le moteur de ouais. tout quand on ouais. commence, ouais. Je me souviens, Québec-Montréal, c'était ça aussi. Ouais. C'était on veut faire un film qui parle comme nous, on ouais. parle. Ouais. C'était ça notre, ouais. notre départ de, 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 de création. Tu comprends? C'était vraiment ça le. Oui. On il veut... y avait beaucoup dans le cinéma québécois ouais. avec... ah, Oui, oui, ils dans fait, non, non, ils vont parler comme nous autres. Ouais. C'était vraiment ça, la volonté. Ben... C'était vraiment une bonne période du cinéma québécois. Il y avait vraiment ouais, un intérêt concret ouais. pour aller voir des films québécois. C'était pas l'aspect pastoral de. On se donne bonne conscience, Bien, Québec Montréal, c'est resté à l'affiche pendant quasiment un, ans. Ans. Ouais, hein, ouais, pendant quasiment un an. Ouais, pendant quasiment un an. Tu sais après ça bon, les bobines se promenaient puis là ça il allait de plus en plus loin dans les régions mais c'est fou là, il est vraiment resté alors que maintenant, tu sais des fois si ça fait trois semaines, il ouais. faut que tu t'en réjouisses là, mm -hmm. euh, c'est un peu capoté là, mais effectivement, il y a eu une longue longue vie le film là, a... Non, puis après ça il y a eu les DVD, puis oh, oh, ouais, il y a eu une super belle oh, Non, mais euh, c'était exceptionnel bon parcours, là. Ouais, ouais. Mais mais comme les Invincibles, moi en fait tu sais, l'histoire en soi est, est vraiment drôle. Il y a plein de bons gags, mm -hmm. puis la prémisse est bonne. Mais l'aspect BD, l'aspect un peu super-héros, en fait... L'aspect pas sitcom. Je pense que vous avez oui. un peu tué les sitcoms avec trois murs, là. Depuis oui. les Invincibles, oui, depuis oui. Le sitcom. On voulait, pas to on voulait ouais. tourner dans des vrais ouais. lieux. Hyper euh, référentiel On vous a proposé un peu comme, à l'époque, Catherine. C non, non okay. nous autres, c'était vraiment... On voulait que ça soit tourné location cinéma, okay. en location. Puis pas, pas des rires, pas devant public. On voulait que ça soit tourné cinéma, puis... Euh, c'était la... aussi un faux documentaire. Oui, en plus. Oui. Mais tu sais, on s'est inspiré un peu de. Moi, j'aime beaucoup euh, Husbands and Wives de Woody Allen. Ah ben oui. Euh... C'est-tu ton préféré de lui? Eh, ouais, moi, c'est un de mes films préférés. C'est ouais. con. Non, non, je sais, moi aussi, j'ai une relation, on, on mais. Peut, on ne sait plus ce qu'on peut dire. La mais... scène, la scène moi, de la fin, là, quand il se chicane après le, le party universitaire. C'est là qui est tellement ouais, bon. C'est exceptionnel. Acteurs, hein? il... Moi, c'est mon vous <laughs> pas. Mais, mais le côté faux documentaire, mm -hmm. puis, qui, a, qui, qui a été fait aussi dans The Office. On avait cette idée-là. L'idée idée des super-héros aussi. C'était à une époque où il n'y avait pas tous les films Marvel. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Ça, c'est beaucoup Jean-François. Jean-François, il, il aime. C'est un, fan. Est un ouais. fan. de, de, de super-héros, puis de figurines, puis tout ça. Qu on qu'on se dit, ah, ça va être intéressant, peut-être, que, que, que nos personnages aient comme des. Euh, des... alter ego. Mm -hmm. euh, des... Oui. Je que ton personnage c'est ça. Ton Personnage qui haïssait les autres, je trouve ça super Un petit peu inspiré de Patrice. De Patrice qui est pas un vrai. Il aime pas beaucoup. Il aime pas Star Wars. C'est vrai. Je te rejoins là-dessus. Moi, c'est ce que j'aimais de que J'ai plus embarqué dans quelque chose où il y a beaucoup de trames que je trouve ça génial. On aime ou on n'aime pas. Puis qu'un des personnages n'aime pas ça, je trouve ça génial. C'était en fait, c'est comme si Carlos était son exutoire. Comme si ouais. dans, dans cette. Mais tu sais, ça prenait pas trop de place non plus. Tu sais, quelqu'un qui. Il y a des gens qui disent, on n'aime pas ça. Mais, on dirait qu'on avait eu plus au début. Ouais. C'était comme euh, ouais. le fait de l'installer. on se ça un peu ça parce qu'il y a, y a se du se monde slackait. qui n'aimait pas ça. Mais on disait, oui, mais ça dure 30 secondes. 40, ouais. Non, puis ça, ça vient juste ponctuer. Moi, c'est ça que j'ai… Ouais. Je... En fait, ça. Tu sais, mettons. Le spoiler, là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, fait que Raoul fait attention. Mais mettons, je trouvais que. Ah, tu l'as vu. Bon, temps C'est Oui. Mais, euh, tu sais, mettons, pour euh, la, la mort de Lynn, moi, sans, sans l'aspect BD, je trouvais que ça rehaussait, en fait, le fait. Ah ouais, c'était génial. Ouais. Tu sais, rajoute la toune, évidemment, mais je trouvais que souvent, dans des moments de tension dramatique, c'était grâce à la BD qu'on atteignait des niveaux que tu ne pouvais pas atteindre, en ouais. fait, juste avec la situation. C'est mm -hmm. comme si ça donnait une, 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 une grandeur. Exact. À la situation. Ouais. Qui, ouais. Qui, en fait, qu ré, que les personnages puis que le public ressent, mais qu'en ouais. vrai, on peut pas le traduire. Euh, mais je vois pas, là. Euh, je vois pas comment, mais, mais ça faisait en sorte. puis Moi, tu sais, il y a les gags qui, évidemment, dans Les Invincibles me, me faisaient beaucoup rire. Mais ce que j'aimais, c'était... Il y avait tellement de niveaux de joke. Mm -hmm. Tu avais les jokes du texte, tu les jokes référentiels, tu les jokes visuels. Tu sais, je pense que c'est dans la saison 1 où là, les gars, ils sont tous séparés. <rire> de <rire> façon. C'est toi qui laisse ta blonde à l'hôpital? Oui. Moi, euh, vous vous souvenez, ouais, moi pas, il y a des affaires. Ouais. Non, 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 mais. Oui, oui, mais... oui. Tu laisses Oui, je laisse ma blonde à l'hôpital. Puis il y a du cours parce que son grand-père peu plus Mattaway après. Oui. Ça fait ouais. très bien. toi, c'était au cinéma, puis tu venais de péter une couche sur le popcorn parce qu'elle avait. Moi, je m'en souviens pas mal. Mais. Il y a la scène où, dans le fond, vous êtes comme jeune et fringant, célibataire, puis c'est le moment où vous réalisez que vous êtes un peu loser parce que vous êtes dans le party avec les baby boomers ah qui oui, hein, c'était ah oui, c'était drôle. Fun. Avec puis, en... toutes des belles filles. Ouais, ouais. c'est ça. Puis ça, tu sais, c'était comme un, un niveau de joke en fait que ben, c'est de la réelle à 100%, je pense, c'est la mise en scène, mais ouais. mais c'était tellement puissant parce que tu fais là, encore une fois, il existe un autre langage que le, les mots pour faire rire. Oui, vous travaillez aussi avec, sur le projet avec Ronald Plante avec qui oui. vous qui est pour, le directeur photo, il travaille aux États-Unis, ah c'est oui. quand même oui, oui. c'est c'est filmé fou, C'est tellement le fun, un là. bon directeur photo aussi Ronald il, 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 il y a des directeurs photo qui sont beaucoup dans leur truc, mais il y en a d'autres qui, qui écoutent puis Ronald il riait, ouais. une fois il, il, on l'entendait rire, là, ça <rire> me faisait rire. Ouais. Mais c'était pour un acteur c'est tellement le fun quand tu sens que le, le gars qui est derrière la caméra, il, il, éc, il écoute la scène puis ouais. il riait, il était ah ce gars c'est un de mes amis, on le côtoie encore, ouais. là, mais lui c'est ça, lui euh, sa carrière a pris un, un, une un, tournure ouais. internationale. <laughs> mais puis Ronald il était le fun aussi parce que il était comme euh, euh, Comment je dirais ça? Il, 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 trooper. Il, il était trooper. Ben des Jean fois, François, le directeur photo, ouais. il va se garder une gêne. Ouais. Il est mm -hmm. comme super discret, mais lui, c'était pas ça. Puis, <coughs> il, il nomme les choses. S'il trouve sa poche, il va le dire. Ouais. Ben, C'est plate. <laughs> C'est oh, oh, wow, ouais. vrai? Ronald n'est pas un fan de théâtre. OK. Parce que des fois... <laughs> Des fois, nous autres, on, à la radio, on allait lire des textes. Puis des euh, fois, on on faisait, au jeu de Marie-Louise, ben oui, ouais, on, des, des, on faisait des fois un peu du Molière ou tout ça. Puis les Ronald lui dit, ⁇ hey, quand vous parlez en français ?⁇ Quand vous dis. parlez, <laughs> Non, il nous avait dit... On est allé faire, on avait fait un extrait <laughs> du taco tac, genre on a fait des niaiseries. On a fait genre taco tac, puis après ça on a fait un truc plus classique. Là, <laughs> lui, il avait dit, on est allé faire du ski avec lui, puis il nous avait dit... Euh, ah, C'était bon le tac au tac, mais euh, quand vous avez quand vous êtes mis à parler de théâtre, c'est le même de <laughs> m'a dit. Mais je comprends pas ce qu'il veut dire, oh, c'est ouais. génial. Ouais. Ouais. Ah, il trouvait ça pourri. Ah oh, voilà. oh, ouais? Il nous dit, il le nomme. Moi j'aime ça. À, je suis allé à New York avec lui voir euh, euh, genre Ol les beaux jours de Beckett avec Diane Weiss, c'est ton Woody Allen. Là, grande actrice américaine. Moi j'ai trippé parce que cette actrice-là. Un peu, plate. Mm. un peu plat, hey, il y a quelque chose d'un peu plat, il s'est endormi, c'est vrai, comme si, hey Ronald, comment, oh hein. non, il aime pas le théâtre. <laughs> il n'aime pas, <laughs> ben non mais, euh, pour ceux qui s'intéressent à euh, Ronald Plante, à mon avis son chef-d'œuvre c'est avec Jean-Marc Vallée, Sharp Objects, oui, qui est disponible, oui. qui euh, Amy ah. Adams, il filme Amy Adams pendant ces épisodes c'est exceptionnel, ah oui c'est ah, un bon, bon. Puis la caméra Lille est soir. un personnage, c'est vraiment grand talent. Ouais. Vrai. Ouais. mais comme que que tu, t as... T as... Tu, tu, tu le connaissais, c'est un peu comique. On l'a connu, on, a... on a connu là. Ben, c'est Jean-François. Oui, okay. ah ouais, c'est ça. on l'a connu là-dessus, là. là. C'était ouais. une époque où il, a... il, il travaillait au Québec. Euh... Oui, mais lui aussi, il, il est plus vieux que nous. Il, il est un, peu... plus... ouais. un peu. Mais mais comme il y avait une histoire que je me souviens qu'il y avait eu un battement entre la deuxième et la troisième. On a pris un break. Oui, je pense que ce que c'est les documentaires. qui étaient malades sur le plateau du deuxième, deuxième saison. Ah, ah, oui. Moi, je pensais que c'était parce que tu, tu trouvais que vous l'aviez écrit trop vite, la deuxième. La deuxième, oui. Okay. Hein, ben, C'est parce qu'on a, hey, a travaillé. C'est souvent ça, la télé, tu travailles quatre ans. Quand tu, comme, tu développes pendant quatre ans la première saison puis après ça, tu as huit mois pour écrire la deuxième. <laughs> c'était comme... On avait douze à écrire en plus. Douze? Avec ah, oui, la bien. deuxième saison. On, ceci dit, le succès de la série, nous, on était jeunes puis on, on, ça nous a donné de l'énergie, mais on trouvait juste que... Moi, la saison 2, je ne m'en souviens pas du tout. Je ne me souviens de rien parce que wow. ça a été trop intense. Fait que mais ce n'est on... pas dedans qu'il y a Sylvain Marcel qui fait « Voiture dans la nuit ». Oui. Ah, fait que moi, c'est ça. C'est là-dedans que j'ai ouais. mes scènes avec Sylvain Marcel. Oui. Ouais. Puis, ouais, où, moi, tu là, dire, où tu faisais les... Moi, je, je te dis, dis que vous parlez des Invincibles. Ah non, bien. mais… Là, vous émettez <laughs> des affaires, puis ça ne rien. non, mais… Je me, me souviens de rien. Mon fils, à un moment donné, durant la pandémie, il s'est mis à écouter ah, mes affaires. Puis, tu sais, je le regardais euh, question très, très, très euh, égocentrique parce que j'ai une petite fille puis éventuellement, elle va regarder ce que je fais. C'est comment voir son enfant regarder ce qu'on fait? ben moi, moi ça m'a touché. Même mon fils, il était allé à rebours, il avait, était à y avait C'était dans le temps, c'est comme ça que je t'aime. Il a écouté C'est comme ça que je t'aime. Après ça, il a écouté Séries noire mm. Puis, puis et, il trouvait ça bon. C'est comme ça que je t'aime. Il aimait ça. C'est des thématiques de gens de 40 ans. Mm -hmm. Puis... Euh, Série Noire, il a vraiment tripé. Il y a quelque oui. chose qui, je trouve, qui, 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 qui atteint les jeunes. Là, quelque chose de plus cool. Puis, euh, puis les Invincibles aussi. Euh, puis c'est drôle, il y avait un regard différent. Il dit hey, Papa, la saison 2 est bonne. Tu disais que tu l'avais écrit trop vite, mais il dis, Moi, j'aime mieux la saison 2 que la saison 1. Je dis Ah, ça, ça me plaît mm -hmm. tout le temps. J'aime mm -hmm. ça. Ah, c'est le fun. T'sais. Il n'y a, a pas le. Puis euh, il aimait ça. Il trouvait ça drôle. Ah. Génial. Okay, cool. Mais maintenant, il est plus vieux maintenant. Mm -hmm. Là, il est, il est plus dans sa vie, puis il est, il est un petit peu moins intéressé. Tu sais, monté des fois TV1, TV2… Non, pas du tout. Okay, okay. Ah ouais? A... Non, non. Mais moins... t'écris comment? Comme, t'es-tu genre l'auteur un peu euh, constamment, euh, Isa, qui a besoin d'isolement, de silence, dans la solitude, ou euh, t'es dans euh... une coopération? Non, non. J'ai un bureau d'écriture, puis j'écris tout seul. Ah ouais? Oui. Puis t'es-tu dans non, moi, une... une espèce de discipline 9 à 5, un peu travail… Euh... Ah. Ben, Je dirais pas, pas 9 à 5, mais sais. Ben c'est... C'est travaillant, là, ouais. Ouais, travaillant. Je m'en vais à mon bureau. Il va bureau. à son bureau, puis il travaille. Là, ah oui? Ouais. Mais ouais. c'est pas tout le temps. Des fois, il n'y a rien qui se passe. Quand est-ce est... est que tu vois ces textes? Est-ce que c'est à, à la fin, 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 ou des fois, tu ouais, les envoies? cette fois-là, je les ai vus vu plus tôt, mais d'habitude, moi, je... Avant Parce qu'on les on avait a réalisés la, à la, fin, la saison 3 ensemble. Oui, ça, ça j'ai beaucoup de questions, fait là. Que là, moi, j'écrivais, puis dès que j'avais... C'était un de mes premiers lecteurs avec ma blonde puis, Patrice, tu moi, j'avais pas fini d'écrire. Patrice, lui, a arrêté de, de travailler. Puis, pour faire que ça, il lisait les textes. Puis, il s'est mis à, comme, à essayer de concevoir la mise en scène. Puis. là, parce que là, c'est comme ça que je votre troisième, la troisième. Là, vous jouez, bien, écrit et réalisé. Mm -hmm. mm -hmm. Puis, que je sache, c'est votre première. Heure, en ouais, tout cas, ouais. on jamais fait c'est cool parce que vous avez commencé ça. Euh, avec une série historique en fin de troisième saison, <laughs> tu sais, c'est ouais, nice. C'est un gros show, moi. Ouais, oui, c'est ça. Un gros show. C tu le même directeur photo? Oui. Oui. Okay. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais, mais, euh, mais, ok. Ma question, moi déjà, jouer et réaliser, c'est comme, la distance, ça doit être très dur à avoir. Est-ce que ça a été dur, ça? Ça a-tu été dur? Par moment. Ouais. Par moment. Mais moi, j'ai quand Parce... même trouvé ça le fun. Moi là. aussi. Mais comme comment tu fais pour savoir qu'elle est bonne, genre, quand on joue? On se On nous, autres, on joues, on 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 se nous feeling. deux. Feeling, oui. Mais même, tu sais, les autres saisons, là, on était déjà un peu comme ça. Des oui. fois, on était dans la scène. Puis, tu sais, mettons, euh, si on trouvait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, même on si ce pas disait, nous oui. autres oui. qui oui. réalisions, <laughs> moi, oui. je le disais à François, c'était l'affaire. Puis lui, il allait le dire aussi. Tu sais, il y a comme un côté on était déjà un peu ouais, moi je suis comme habitué aussi de tu sais quand je travaillais avec Jean-François Rivard il réalisait moi j'étais tout là parce que je jouais mais j'étais tout le temps le scénariste était mm -hmm. tout le temps et ça marche-tu mais j'avais pas là Jean-François fait que l'espèce le, de deuil euh, euh, le, checker, ouais. le checker le checker ben oui, <laughs> oui le checker de ben, patte. j'arrive à être capable de jouer mais aussi de là, ça ça marche pas puis fait pas très a... Mais tu sais dans les scènes là, cette, cette fois-ci c'est sûr qu'on essayait d'être investi puis tout ouais. mais peu veut, veut pas mais on, on check puis tu le sens là, quand tu dans la scène, puis c'est bon. Oui, mais, 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 mais je veux dire, justement, là, le, le, le côté comme, OK, ça c'était la bonne. Ouais. Mais là, tu regardes les autres jouer en même temps. Il y a cet aspect-là. Toi, tu es beau être dedans, mais quand les autres, toi, tu es vraiment dedans, peut-être que ben, Marilyn, ça arrive jamais, là, parce que je veux non, dire, c'est Marilyn. Que... Mais, mais mettons, tu sais. T'aurais joué avec moi, t'aurais fait « Oh Christ, ça qu'on va avoir besoin de… » Tu sais, c'est ça que je veux dire, c'est… Mais disons que si t'avais joué dans une scène avec nous, vu qu'on joue avec toi, on t'aurait pas dit « Hey, Non, parce qu'on aurait jasé de la scène ensemble. ça m'intéresse, ça! Comment vous… La mise en scène, il y a une scène qui marche pas, c'est quoi vos trucs pour que ça fonctionne, mettons? Hey mais ben Je sais pas, on, on peut comme pas parler comme si on avait fait 18 projets, mais t'sais, sur ce projet-là, là, on peut pas dire hey, d'habitude nous autres ce qu'on fait. Ouais. Mais t'sais, on s'est tellement préparé en amont. Là. On est arrivé jour 1, les, toutes les scènes des 8 épisodes étaient découpées. Okay. Wow. On Des dessins. Fait des dessins, des textes, de on a comme tout fait ensemble. Moi, j'arrêtais ah bon? pas de le dire à François, j'avais hâte qu'il finisse d'écrire. Ouais. J'étais comme, faut qu'on ait le temps pour qu'on soit Calme et qu'on puisse avoir du fun à jouer. Ouais. Il fallait qu'on ait un plan de match pour tout et qu'on n'arrive pas à un donné sur le set et qu'on dise, bon, non on sait pas trop, on va vous demander. Du ouais, temps. Pour ceux qui ne savent pas, le découpage, c'est qu'il y a beaucoup de metteurs en scène, que, à, comme une BD, tu dessines ouais. chaque plan. Comme ouais. Quand tu arrives sur le plateau, ouais. on fait le plan 1, le plan 2, le plan ouais. 3. C'est ça. 1. Mais c'est ça qu'on a fait. Puis oh ouais. à un moment donné, ben on se disait, là, on voyait qu'on allait manquer de temps, fait on disait, ça, hey, là on n'aura pas besoin. de ce plan-là là. Tu sais, des fois, on changeait scène, aussi. Mais... Des fois, notre plan marchait pas, mais juste le fait d'avoir un plan. Il y a toujours quelque chose qui reste de ton plan. Ouais. Ouais. Souvent, on n'avait on, on pas le temps, donc on réduisait. mais Fait qu'on arrivait, puis le soir, on pouvait rechecker. Okay, fait qu'on arrivait, on avait, on, avait, on avait déjà discuté de, de tout. On avait déjà réfléchi oh, au sein. On de avait un plan comme la série était déjà comme, réalisée ouais, on dans la tête. Moi, je suis allé euh, en amont. Là, On est allé dans le bureau de François, puis on avait… Euh... Un tableau. Un tableau, puis... Un tableau avec... puis on prenait des photos, puis on les a toutes encore sur moi, je les ai encore les dans dessins. mon dossier. Oh. Oh, oui? Les dessins, ouais. puis toutes les descriptions des scènes, ce qu'on voulait faire, puis tout. Puis, est-ce est que, que. On l'a donné au DOP, puis euh, notre première assistante, elle l'avait aussi, tu sais, puis. Puis, wow. euh, quand... c'était-tu? Est-ce que euh, est-ce que est qu'il y avait des dire, des inspirations est-ce que vous dites oh, on va y aller plus vu que le ton était déjà établi Est-ce qu'on voulait c'est ça l'inspiration. Okay. On voulait respecter. c'est Jean-François Rivard qui a fait la première saison. Il a fait une partie de la deuxième. C'est lui qui a installé. Il y a eu une espèce de grammaire cinématographique ouais. avec Barry Russell. Puis nous, tout ce qu'on voulait c'est au service de ça. Jean-François, c'est tellement un bon réalisateur. On s'est dit on va juste essayer de. Juste de, juste de. Mon but c'était que genre Ma mère qui écoute la série à voix sais, les gens ils sont oh, ouais. avec les personnages, mm -hmm. on voulait quand même à côté, on avait le même directeur photo, la même équipe, il fallait qu'on ait trouvé des gens qui connaissaient le show, ouais. ça, on ne partait pas de rien. Puis euh, on, a beaucoup, on, on a beaucoup regardé aussi les ouais, épisodes, on a analysé. analysé... C'est dur, t'sais... ça, revoir. Euh... Ben, C'est en... plaisant, en fait. Ben, C'était le fun, en ouais, fait. Ouais. De... Moi, j'ai beaucoup des réflexes de scénariste. Puis quand j'ai su que j'allais réaliser, je me suis... J'ai fait l'exercice de réécouter les épisodes, mais dans un minding de réalisation. Tu sais, des fois, tu, tu sais, d'enlever le son, tu enlèves le son, puis tu regardes, OK, ce plan-là, OK, il est allé là, ah, il est allé là, ah, comme ça, ah oui, c'est bon. Puis, puis, euh, puis j'ai fait ça aussi en réécoutant plein de films que j'aime dans la vie, là, puis avec le minding, OK, mm -hmm. je regarde les images, tu sais, puis j'enlève le son. C'est un truc que Steven Spielberg donne ah, oui? aux au, au réalisateurs. Oh, ouais. <laughs> Regardez les films que vous connaissez, que vous aimez, mais enlevez le son. Fait que ça va vous détacher un peu de, ouais, de l'histoire, de, de puis vous allez visuellement voir OK, il a fait ça, OK, il a fait ça, ah, ce plan -là. Ah, il okay. revenait à ce plan-là. il est à ce plan-là. Fait que c'est un exercice que j'ai fait avec plein de films que j'aimais. Fait que, c'est comme un autre minding, mm -hmm. mais qui n'est mais, mais pas étranger à, à, aux au, à, au, à, au réflexes de scénariste que j'avais, ou même nos réflexes d'acteur. Le but, c'est tout le temps de raconter une histoire. Mm -hmm. Fait que, comme acteur, comme scénariste, comme réalisateur, le but, c'est que l'histoire, soit bonne qu'elle soit bien racontée. – vous dans la salle de montage? Ah, oui, oui. oui. On a, ah, oui. Ah, de A à Z. Là. Fun, ouais. De A à Z. Mais, mais c'est comment une journée fun, de. C'est le fun, le montage. C'est ouais. une des une... étapes les plus le fun. Ouais, c'est la dernière écriture, moi, je trouve. Là. Mais c'est comme à quoi ça ressemble concrètement? Parce que, mettons, une journée d'acteur, sur un plateau, tu es calé, on, on va dire, à 5h30, là, souvent. Ouais. Puis c'est un 12h. Puis généralement, je sais pas si c'est. Mais tu sais souvent les acteurs c'est un peu les derniers arrivés premiers partis, c'est pas rare en tout cas mm. très certainement les mieux traités. Mais quand euh, quand tu es réel, c'est quoi les journées C'est 15h, heures, 14h heures, quand tu es réel acteur ouais, C'était beaucoup C'était long là. C'était beaucoup. On dormait pas beaucoup. Ah, c'était 60 hein? jours aussi, tu plus! Ah oui, c'était ah. ah. de là. Euh, ouais, ben... Mais tu sais nos journées c'était quoi C'était tu sais on se parlait tout le temps, euh, on arrivait tout le temps vraiment tôt, on arrivait avant euh... en, en plus nous parce qu'on on jouait dans le show, on arrivait. Ouais, CCM, là, il on fait. arrivait plus qu'un réalisateur normal, parce ah, qu'un ouais, réalisateur ouais. peut on arriver. Se faire crêter, puis là, après ça, on arrivait celui le set, puis... Mais ça, ça doit être drôle, là. le, le Real avec Maquille sa bouge moustache, bouge <laughs> puis toute la, je veux dire, le Real en costume, un peu. Oui, oui, mais, mais ouais. Ça, c'est inusité, là. Ouais, vrai, ça arrive ça, pas souvent. Inusité, mais Ouf, Ouf, on n'a pas trouvé ça drôle longtemps. <laughs> non, mais, en même temps, moi, j'étais, moi, des fois, des journées où j'étais content quand même de jouer. Ouais. On se disait, sais, bon, une journée où c'était un peu plus difficile, tu dis, bon, au moins… Au moins, j'ai la zone de jeu. Je connais ça. Non, parce ce le fun, c'est que c'est une journée plus payante aussi. Ouais. <laughs> <La> journée <où rire> est une journée où c'est de Mais, mais j'ai une question, parce qu'il y avait un article récemment dans la presse par rapport aux, aux séries historiques qui expliquaient les difficultés ouais. financières et tout, là. mais fait partie parce que ça se passe… Oui, bien, c'est ça. Mais c'est drôle, mais j'ai toujours eu l'impression… particulièrement dans « C'est comme ça que je t'aime », j'ai l'impression que ça me donne, en tout cas en tant que, que gars qui, qui a un intérêt pour euh, votre œuvre, c'est que c'est précisément l'aspect 70 qui donne une liberté exceptionnelle qu'il n'y a, mm -hmm. a pas le truc Ah, oh, ça se peut pas. Mm -hmm. Comme si ça fait 50 ans. Ça dédouane ouais. bien des affaires. Oui. Ouais, ouais. On peut y croire qu'il y a eu une clique un peu criminelle à Sainte-Foy en 70. Ouais. Ok, je dois avouer quelque chose. Ouais. T'as fait des recherches. Au hein? début, je pensais que c'était vrai. Mais il y a plein de monde qui pensait que le livre. Le livre assez fouillé, vous m'avez eu, j'étais ouais. convaincu que c'était sûr. Oh, les... Mais c'est vrai ouais. que le fait que ce soit comme mm -hmm. éloigné, tu sais, pis moi, j'ai pas fait de grandes recherches historiques non ouais. plus. Fait, en même temps, il y a tu... tellement de référents, là. Dino Bravo, moi, mettons, ouais. là. Mm -hmm. La fameuse réplique, t'en parleras à Dino. Parce que. <rire> <rire> ouais, <rire> Dino ça... Bravo, c'était mon idole de lutte. C'est vrai? C'est okay, bien soup... tragique en plus, hein, ouais, dis-nous. Ouais, oui, ouais. Les lutteurs, ça finit mal. Oui, ouais. mm -hmm. ouais, c'est pas. Euh, mm -hmm. ouais. un Little Beaver aussi, il mm -hmm. me semble, ça a pas fini. Quel nom, Tu connais pas Little je connais Beaver? Pas, je connais pas beaucoup les lutteurs. Little Beaver, c'était euh... ben, un. C'est la première star tu pourrais que j'ai joué. J'ai oui, joué. Ouais. Je, <laughs> pourrais je, je pourrais jouer. Little Beaver? Oui, c'est un lutteur, nain, qui avait un mohawk. Puis c'était une des. Une. Une. T'as eu Alice Robbie comme star internationale québécoise. Les deux, ça m'a fini. Et un Little Beaver qui a été une star québécoise internationale, oh, ouais, ouais. puis c'était un nain. Puis il y a eu un documentaire à un moment donné à Canal D où euh, il retraçait la, la grande euh, carrière de Little Beaver. Little Beaver est dans euh, le plan de Elvis Graton 1, le, le, le plan séquence au, au, dans l'espèce d'épicerie. Il y a un nain et une personne de petite taille. Là. Et c'est Little Beaver. C'est un caméo de Little Beaver dans Elvis Graton. Je te le dis ça. Il n'y bon a savoir. personne qui va capoter, mais moi, c'est le genre d'affaires qui m'allume. Il y a plein euh, de fans de nous qui nous écoutent. Ben, ils savent c'est qui. Pis ils savent que Little Beaver, c'est un, un fier Québécois parce que quand il allait en Australie. Là, parce que les Québécois, oui, parce que les Québécois, qu le, dise, ils le Canada. Ben oui, il fallait qu'on le dise que Little hum. Beaver, il venait du Québec. Il insistait, Little Beaver. Ah ouais. C'était pas, pas un citoyen de seconde zone, Little Beaver. Fait il a voté oui deux fois. Je pense okay. pas qu'il s'est rendu au référendum pour vrai. Je pense qu'il est mort un Ben, je 80, 80, c'est sûr. Ouais, mais en tout Bref. cas, je ne sais pas. Mais il y a une fin un peu abrupte, Little On Beaver. Prend. La GRC qui <laughs> l'a tué. Je, sûrement. Ça, ça ne m'étonnerait pas. Les complots. Chris. <laughs> mais euh, non, mais, mais, mais c'est ça, c'est qu'en en fait. Puis, tu sais, je réécoutais euh, récemment Cyranoir, puis. Moi... <laughs> non, mais. Moi, le, le, le crime. Attends, la loi du crime La loi de la justice. La loi de la justice. Ouais. L'espèce de segment qui est, En fait, ah, la série aussi, commence comme ouais. ça, là, ouais. où c'est rebondissement après rebondissement après rebondissement. Qui n'est pas des allées lumière indéfendables. <rire> <rire> non, mais à l'époque, quand on a fait série de on s'était quand même inspiré de certaines oui. séries. Ah, mais c'est tellement. Mais tu sais, ouais. ça, pour moi, c'est un langage comique en soi. Puis, en fait, dans la stylistique, puis c'est ça que j'aime j'aime de, 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 ce de, de, de ces œuvres-là, c'est que. Dans le style même, il y a des jokes, en fait. Oui, oui, oui. Mm -hmm. Puis, à quel point c'est conscient ou à quel point ch... est-ce que ça vient avec le style ou le style impose les jokes? Euh, en vrai, je ne pas sûr de comprendre. Attends, non plus. en fait, c'est dans ça. le scénario. Je me fait, voulais une question de Radio-Canada, mais. Radio c'est -ce dans le que... scénario. Mais tout fait d'exprès, là. Il <laughs> non, 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 ils se présentent, non, non. ils mettent des chapeaux. Mais... Oui, non, mais <laughs> en fait, ma question, c'est plus est-ce que, est -ce que tu te dis préalablement, ah, oh, on va le faire un peu comme ça, puis là, c'est. Parce que j'ai déjà des idées de jokes. Oui, ou, oui, oui. On savait ou, que la loi de la justice, on savait que ça allait donner ça. Il Fallait que ça soit ridicule parce que c'était ça l'histoire. Ils ont fait un show qui a marché, qui est pourri, et qui est invraisemblable. Mmh. Ben oui, non, fait mais la du, du petit, <laughs> le scorpion. Qu'est-ce le... que tu t'es ah, fait oui, Qu'est-ce oui, que oui. tu la vraiment, nul à chier de. Ben, tu sais, arrête... Jean-François, quand il a, il a tourné ces scènes-là, il s'amusait beaucoup parce que ben oui. comme il faisait tout. Ce... Comme, qui, qui, il qui, le gosse, ce qui, qu'il qui gossait, comme ben, oui. beaucoup de flair de lumière, tu sais. Ah euh, oui, puis les scènes d'action, oui, mais oui, pas de Oui, c'était la lumière les 2000, les de ouais, c'était la mode. Hein. Oui. Jaune beaucoup. un peu, en plus. Ouais, une fois, Blon, on fait, ça prend ça, Chris. Ah <laughs> oui, puis Guinadon, super caricatural, là, de... Mademoiselle. Oui. Euh... <rire> 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 Maintenant, est-ce que vous écrivez en fonction des comédiens qui vont jouer? Parce que de personnages qui joué avec Guinadon dans, dans Série Noire, ça marche pas, tu pas Guinadon, pareil. Pour... On ne l'a pas écrit en pensant à lui. Hein? Non, ça, on ne savait pas, c'était qui. Mais des fois, des, fois, des fois quand tu écris, tu as une idée de personne. Moi, des fois, j ai, j ai, ça m'aide, tu sais, euh, ah, ça pourrait être lui. Puis des fois, ça va m'accompagner un petit peu durant l'écriture, mais des fois, ça switch. Des fois, ah je suis comme, ah non, ça pourrait être lui. Des fois. Puis des fois, je ne sais pas, mais des fois, je le sais. Huh. Comme quand j'écris, souvent, je sais, tu sais, les rôles que mais je vais le... donner à Patrice, ouais, ça. je le sais, ah, ça ça va être le rôle de Patrice. Ou euh, ah, tu sais... Euh, J'aime ça, je trouve ça le fun parce que aussi je me nourris C'est ça qu'on disait dans une autre entrevue. Des fois ça me permet de me nourrir de comme dans série noire aussi, le rôle de Vincent Guillaume Otis, mm -hmm. euh, on ne savait pas que ça allait être lui. Fait que la saison 1, tu sais on écrit le rôle puis il a auditionné puis on l'a trouvé super bon. Mais quand j'ai écrit la saison 2, puis là je suis devenu ami avec Vincent Guillaume. Là, ça, ça j'ai un, peu, j un ouais. peu volé. Volé des petites affaires de Vincent Guillaume que j'aime ça beaucoup faire ça. Ça fait ça aussi avec Micheline euh, dans dans C'est comme ça que je t'aime. Je savais pas que ça allait être Karine Gontier. Puis là, la saison 2, je me souviens, là, je, je suis devenu bien avec elle. Elle est tellement on flamboyante. Fait que là, je me suis servi un petit peu de. J'aime ça faire ça, vampiriser ouais. un petit peu. Là, mais comme... le pire, c'est mais tu dis ça, puis c'est vrai que Karine, dans... il y a beaucoup de choses que je reconnais d'elle dans la deuxième saison. Là, le... <laughs> la cocaïne. Ben non, oui, c'est ça. ça, ça. ça J'en ai parlé à elle, c'est <laughs> une, une, une de mes scènes que j'ai plus ri au monde. C'est elle, c'est la coque qui vous appelle. Ah oui, ouais. 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 Non, mais moi, moi, elle la scène. tellement ça, Niaise. <laughs> mais la scène. C'est une aussi... réelle comique. Ben oui, oui, à 100 ouais. C'est une réelle actrice. Pis le comique. P... Oui, puis le pire, c'est qu'elle est super bonne dans la tragédie en plus. Mais comme Marilyn aussi, tu sais, Marilyn, euh, moi, ce que j'aime de Marilyn, c'est que c'est un rôle hyper comme. Je sais pas comment dire, mais c'est un rôle où très sérieux. Mais c'est très très grave mm -hmm. ce qu'elle fait, puis ce qu'elle dit, puis ce qu'elle vit. Mais c'est tellement comme enfoncé dans dans la gravité que ça finit par devenir avec mais ton personnage qui vient a, complètement de faire une... un contrepoids, en oui, fait. Oui, mais Huguette, c'est ça, c'est qu'il y a une naïveté dans le personnage aussi ouais. qui crée l'humour mm -hmm. aussi. Mais qu'elle n'est pas consciente, en fait. Ouais. Tu sais, comme l'affaire de. Elle a l'œil du tigre. Tu sais, c'est une vraie patente dans. Elle euh... a l'œil du tigre, mais elle n'a pas vraiment confiance en elle. Non. Tu sais, fait que ces deux affaires-là, des fois, c'est. Elle a un gun, mais c'est ouais. ça. Deux secondes après, elle n'est pas sûre de ce qu'elle vit et de ce qu'elle qu ressent. Puis, cette espèce de jeu de yo-yo-là, mais, mais comme, en fait, ça, justement. Comment, comment, comment ça se détermine? Qu'est-ce qui donne la pulsion de créer ces personnages-là? cest naturel pour toi ou? C'est vraiment dis... naturel. Ben, j'y vais uh, au feeling, en fait. Euh, je trouvais ça intéressant. Puis, au début, quand j'ai commencé à écrire, je savais que Huguette, je disais, ah, raconté une histoire de couple. Je suis inspiré un peu de mes parents, puis de Je viens de Sainte-Foy. Mes parents, chicanaient beaucoup, ils se sont séparés. Puis là, ah, elle pourrait comme avoir envie de tuer. Ma mère n'a jamais eu envie de tuer mon père, <laughs> T'sais, ils se chicanaient, mais ils se sont jamais dit des bêtises. Mais... J'ai exagéré. J'ai dit ah, avoir envie de, de, de tuer son mari, puis là, après là, ah, elle pourrait découvrir qu'elle est vraiment bonne avec une carabine. Mais puis là, il puis, y avait cette dualité-là, la, la femme au foyer qui n'a pas confiance en elle, ouais. qui n'a pas trouvé ce qu'elle voulait faire dans la vie qui trouve soudainement dans la criminalité puis elle est super bonne tu sais ça, ça va pas ensemble pis souvent en comédie tu des affaires qui vont pas ensemble pas, ça marche ça, 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 crée, ça peut créer de la drôlerie mm. puis c'est ça puis le personnage était euh, je... puis c'est ça Marilyn aussi quand elle a fait, fait le casting on, tout de suite on a dit mais c'est ouais, une grande actrice Marie mais c'était l'actrice parce est -ce pour le rôle oui, elle a fait un self-tape. Ouais. Moi, je la connaissais oh, pas. C'est un self-tape, en oui, plus. Oui, elle ne pouvait wow. pas venir à l'audition. Okay. On l'a reçu. C'est pour une fois là, que ça marche, un self-tape. parce ouais. C'est pour un self-tape pour les gens. C'est que normalement, tu vas en audition dans une salle. Ouais. Là, tu fais la scène puis tu es un petit peu dirigé. Mais un self-tape, c'est que tu t'enregistres toi-même, souvent dans ton salon, euh, en train de faire une audition. Puis souvent, ben, ça, ça donne. Euh... Marilyn avait été malade. Oui, elle n'avait pas pu venir à l'audition. Par la suite, elle a elle un le... peu confessé que. Genre, je suis pas bon en audition, ah, genre, le <laughs> que je fais souvent, je pense. Ah ouais, hein? je -ce vous C'est de... ben, quand, de... quand la dernière fois que vous avez passé euh, des auditions oui, oui, pour ça vrai, vrai pas ça, fait oui, ça, ça fait pas longtemps. C'est ça. ça fait longtemps, c'est sûr. C'est <laughs> ah, sûr. Ça fait longtemps, mais la dernière fois c'est pour euh, je pense, c'est pour Bernard Raymond. Je ne l'ai pas eu, mais j'ai j'ai beaucoup aimé le processus. Ah ouais Ouais. Ben, j'étais <laughs> super sur une nerf puis en sortant, je me suis dit en sortant, j'ai vu un acteur, je me suis dit c'est lui qui va avoir. C'était-tu lui euh... ouais, ouais c'est lui okay. qui, il est, lui, me semble. Mais c'est pas, pas, pas les auditions. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est Karine m'a déjà dit qu'elle était super bonne en audition. Puis qu'elle prenait beaucoup beaucoup de temps à être bonne en audition parce qu'elle se dit en tant que comédienne, ça aide. Mais il y a plein d'acteurs qui sont. Moi, c'est comme tout ou rien, en fait. Mais quand je sens que ça va bien et que les gens m'aiment, le j'ai des ailes <laughs> qui me poussent dans le dos. Mais dès que je sens un peu Je je, 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 veux, je veux pas être là, tu sais. c'est très... Il y a des acteurs, des très bons acteurs qui sont pas bons en audition. Ouais. Il y a des, 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 Mais des... c'est weird aussi, en tout cas pour avoir été de l'autre bord de, de temps ouais. en temps, là, de voir des gens venir en audition. C'est fou, des fois ça n'a rien à voir avec, c'est vrai là, ce que je vais dire, ça n'a rien à voir avec le talent de la non. personne. Il y a comme la personne rentre dans la salle tu fais, ben, écoute, ça ben, fait ben, pas. pourquoi que c'est elle qu'on m'a Ça ben marche oui. pas en tout, on le sait tout de suite. Mais c'est tellement chiant, la personne s'est préparée et puis tout. Puis, ça n'a rien à voir avec la performance qu'il va faire. Juste le fait que tu rentres. Pas Puis hyper. souvent, l'acteur la, qui, qui va avoir le rôle, ce n'est pas du tout le concours qui est le meilleur acteur. C'est ça qu'il faut se dire quand on passe des auditions. Ce n'est pas qui est le meilleur, c'est celui qui fit pour le rôle. Ouais. Puis, moi, je trouve qu'un bon casting, c'est pas d'aller chercher seulement le meilleur acteur, c'est d'aller chercher l'acteur qui fit vraiment. Moi, vraiment, là, dans les affaires que j'ai faites, les personnages, ce c'était pas tout le temps des... Tu sais, des fois, ce n'est pas tout le temps des grands acteurs, mais quand ils sont bien castés, ça devient de la magie. J'aime mieux ça qu'un ouais. grand acteur. Qui, qui euh... La méthode Martin Saint-Louis, dans le fond, c'est que t'amènes cool. ta game. Cool <laughs> ah, ben, il a dit ça. Honnêtement, là, <laughs> les citations de Martin Saint-Louis, c'est, ouais, c'est grandiose. Non, mais là, l'ai le... entendu hey, là, là, fait la fin des boîtes, là. Non, mais, mais, sérieux, les... non, non mais, mais moi, il se dépasse, il... là. Il, il pogne la garnotte. Ah, non, non, mais... non, mais c'est exceptionnel. En gros, il a déjà dit, puis c'est à peu près ça. Là, faut que amènes dans ta... faut que tu joues, faut que tu joues ta game dans la game. Euh, puis la game de la game. Fait qu'il faut que ta game soit dans la game de la game. Pas mais c'est simple, <laughs> simple. mais c'est simple. Moi, j'ai tout compris. Plus, en fait, globalement, ce qu'il dit, c'est que ton style de jeu investit le ouais, Faut ouais, que ton comprend, style camp, mais 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 sauf que, Il aurait pu comprendre. dire ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, mais il n'y a pas les. Je pense qu'il n'y a carrément pas le vocabulaire. Là, puis là, il a parlé de track et de boîte. Fait que là, on, on est sur une bonne track, puis on est dans une boîte difficile. Puis là, en deuxième période, on n'est plus dans une boîte difficile. Fait qu'on sort de la track. Puis ça, ça fait qu'on n'est plus sur notre chaise. Là, tu sais, t'es pris avec mais ça. Mais moi, aussi, si je coachais une équipe, j'avais un seul trio, je virerais fou et j'aurais de temps à comprendre tout ça. Non, fait. mais moi, je, moi, ce que j'aime, c'est que ça, ça te garde alerte. C'est que t'es comme. Oh, il y, y a une mystique. Il y a comme de quoi que. Il faut que t'interprètes des mots qui n'ont aucun sens mis ensemble, mais finalement, il y a une cohérence totale. Mais c'est pas une cohérence totale. Oui, c'est une, total. une vraie cohérence. Non, non, c'est une vraie cohérence. Non, 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 non. Ben mais oui, en fait, ce qui explique, c'est que l'effort qu'on donne... Non, toi, tu mets... dis qu'il explique ça, mais il n'avait jamais expliqué ça. Ben tu oui. t'inventes ce qu'il dit. Non, il explique que l'effort qu'on met nous met sur la bonne piste, mais comme on s'assoit sur le succès qu'on a oui, eu... mais on s'entend à... qu'il essaye pas d'expliquer non plus des concepts très, très compliqués. Ben, honnêtement, là, je je qu en même temps, je ne le mettrais pas une dans l'astrophysique. Ouais, <laughs> pas, pas de pénalité, <laughs> puis il marque plus de buts. Ah, c'est pas juste ça. Le, le hockey, c'est plus subtil que ça. J'ai tellement hâte d'en parler à la poire et le fromage. Oui, tu devrais venir... J'en parlais au gars. Ben, J'aimerais ça. Ouais, moi, je suis chroniqueur. Hein, oui, allez, <laughs> en, tant chroni... boucle, là. en tant que chroniqueur, mais, mais, mais comme. Euh... Ben, bien, juste avant, là-dessus, merci, merci, monsieur. Ben, mais oui, il ne faut beaucoup. pas vous retenir. C'est un honneur merci. de vous recevoir, hein? hein? Ça fait ouais, eh, deux heures. qu'on ouais. 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 eh, ouais, ça, ça a non. été plus long pour Patrice que pour moi. C'est bon, c'est bon. C'est quoi tu dis que Non, Non, ça fait non, deux non, heures, a là. Bien. Non, non, c'est parce que j'ai vu quelqu'un arriver, et ah. vous nous avez dit, il, ah, est, ah, oui. euh, il y a quelqu'un après. Non, non, mais. Il est clever. Euh, bon. Ben oui, non, mais merci. oui, j'espère, mais merci tellement, là. Puis C'était très agréable. Ouais, c'était. un bel. me donner le goût de nous partir un podcast. C'est vrai. Go! C'est très accessible, hein, comme rêve, là. Je suis toujours que Patrice soit un bon animateur de radio. Mais de bon, ligne ouverte. La boîte, la ouais. Mais toi, tu serais bon pour ramasser le monde qui appelle. Euh... C'est oh, vrai, ça. Ouais. C'est Mais, ouais, mais c'est une autre carrière. Tu prends pas une, une émission de radio la nuit. Oui, Fabi la nuit, j'aime ça. Ah oui. oui. Bon, mais ça, Fabi la nuit, il y, y a beaucoup de détresse. Moi, j'aime pas. <laughs> <laughs> c'est vrai. C'est beaucoup des solitaires. Oui, là. oui. Je suis très Je Mais tu l'auto, j'écoute ça. Règle le monde. Règle le monde. Mais toi le créneau de 11 h 30 là. Puis. Les poly... Non, à midi. Ouais, ouais. Le, le genre de Gilles Proux, là. Ouais. Le, la, la pub de Gilles Proux de 80. Je sais pas si dire être le prochain Gilles Prou ça va être tenté. Non, non, je vais te dire beaucoup ce que je fais. Non, ouais. t'es ouais, sûr ouais, parce qu'il y avait une pub dans Mario le Magnifique, la cassette, où il expliquait Gilles Proux toute sa, toute sa, sa prestance. Il disait. Ce que vous avez su... Non, ça c'était Jean-Luc Montgrain. Ce que vous avez bien. su hier, ce que vous avez su aujourd'hui, lui l'a annoncé hier. Et je pense ce... que c'est la manière, ce... manière de terminer le podcast. <laughs> Pourquoi ah, hein? on jeu... Non, non, on va pas Bye. finir sur... OK. Au revoir. <laughs>